Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir au Stade de Genève pour ce match de 8e de finale de Conference League entre le Servette FC et le Victoria Pilsen. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné pour ce match de Max Berthoud. Comment ça va, Max? Très bien, merci. Quel honneur d'être ici ce soir avec mon cher Tibor pour commenter une nouvelle rencontre européenne pour Servette. Encore un nouveau tour, les 8e de finale. Face à un certain Victoria Pilsen, équipe venue tout droit de République Tchèque, qui a vécu une épopée tout autant spectaculaire que Servette, notamment de par leur phase de groupe. Alors ils ont fait une phase de groupe, ils étaient tout le long en Conference League, ils ont pas comme Servette qui a été relégué d'Europa League, on sait très bien, mais leur phase de groupe est de 6 matchs, 6 victoires. Donc voilà. Après c'est à mesurer, on va parler aussi des adversaires qu'ils ont rencontrés dans cette phase de groupe et même en phase de qualification. Mais effectivement, le Servette FC qui joue ce soir son 13e match européen, c'est 2 de moins que le Victoria Pilsen qui lui a dû passer par 3 tours qualificatifs. En réalité comme Servette, mais Servette a été éliminé par les Rangers et directement qualifié en Europa League sans devoir passer par les barrages d'Europa League. Donc le Victoria Pilsen qui a affronté des clubs maltais, des clubs kosovars, des clubs kazakhs. Alors voilà, il y a en tout 11 victoires et un match nul sur toute la phase donc qualificative et en phase de groupe. Donc ça mesure quand même un peu l'exploit, si on peut dire ça comme ça. Ouais, effectivement, toute proportion gardée, mais ça reste quand même 6 victoires. Faut aller les chercher dans des pays où le foot n'est pas forcément leur point fort, mais qui font à chaque fois des arguments à défendre. Donc ce sera important de bien jouer face à cette équipe tchèque. Et on sait que Servette a déjà rencontré un club tchèque lors de la phase de poule d'Europa League face à un certain Slavia Prague, où Servette a eu un peu de peine. Un peu. Pardon. Ouais, a perdu ses 2 matchs, je crois. Et n'a pas marqué de but. Alors. Alors que Victoria Pilsen, lui, n'en encaisse quasiment pas en Conference League. Hein, 9 buts et seulement 1 encaissé en 6 matchs de groupe. C'est assez solide. Hein. Ouais, effectivement. On connaît ces équipes tchèques et en général ces équipes de l'Est qui ont des joueurs grands, une défense très solide. Et Servette va devoir faire attention, notamment défensivement et de manière générale être très solide et essayer d'aller chercher les occasions, être très efficace devant le but pour aller chercher les peut-être peu d'occasions qu'ils auront. Alors qu'on a une magnifique ambiance ici au Stade de Genève, un peu plus de 15 000 spectateurs devraient être présents ce soir et on voit les Tchèques également qui sont ajoutés à la fête de ce début de match avec la musique et le jeu de lumière. Le match qui devrait débuter d'ici un peu plus de 5 minutes, peut-être l'occasion de déjà faire les compositions d'équipe. Je te propose de. Enfin, comme quoi tu veux. Moi, je vais m'y aller avec l'équipe tchèque et la prononciation. Hein. On va essayer de faire au mieux. À toi l'honneur. Alors, au but, on a le numéro 16, Jedlica. Bon gardien qui n'a pas joué longtemps, qui est venu. Qui est revenu de près cet été, alors qu'on va vous laisser quand même avec le Sekelono. Cette compo, donc je disais, le gardien numéro 16 Jedlica, une défense à 4 avec Doué sur le côté droit. La défense centrale est composée de Ranach et de Yemelka, alors que Kadou s'occupera du flanc gauche. Au milieu de terrain, on a Kopic, ensuite le numéro 6 et le numéro 23 Pierre et le capitaine 23 Calvache et le numéro 18 Mosquera. Alors que l'attaque, il faudra faire très attention à cette attaque avec Vidra et Chori qui sont deux joueurs. À faire attention, notamment Vidra qui est passé par qui a fait pas mal de saisons en Angleterre par certes des petits clubs, mais ça peut quand même être inquiétant, des clubs comme Burnley, Watford, West Brom ou même une petite partie en Italie avec l'Udinese. Et Chori, c'est 1m99 qui va faire très peur sur les coups de pied arrêtés dans la surface.
Effectivement, tu l'as dit, le gardien du Slavia, du Victoria Pilsen n'a pas beaucoup joué cette saison, mais c'est parce que justement le gardien titulaire a été vendu au Slavia Prague cet été pour 1 million d'euros. Donc c'est ce qui explique cela. On va passer maintenant à la composition du Start FC avec pas mal de changements comparé à d'habitude, avec au goal Jérémy Frick, hein, qui est évidemment à sa place en Coupe et en Coupe d'Europe. On aura Magnan qui occupera le côté gauche. Et oui, évidemment, c'était une petite surprise. Où est-ce qu'on allait le retrouver ce soir? Ce sera donc sur le côté gauche latéral. On aura également Séverin et Rouillé pour l'axe. Tsunemoto à droite, ça c'est comme d'habitude. Kuteza à gauche, Ondoa et Lele Diba au milieu, lui qui n'avait plus connu de titularisation depuis un certain match face au Slavia Prague, c'était en Tchéquie. Peut-être un habitué des confrontations contre les top clubs tchèques, pardon. Ça s'était pas très bien passé, donc on espère que ça se passera mieux ce soir. On aura également Bola sur le côté droit et pour compléter cette équipe, le duo d'attaque Crivelli-Guimeno. Donc à noter qu'on aura quand même des remplaçants de choix avec Anthony Baron, Timothée Cogna, Miroslav Stevanovic, Alexis Antounès, Bradley Maziku et Tiemoko Ouattara. Ouais, effectivement, et je pense surtout que on va dire la double confrontation se joue surtout ici à la Praille pour Servette, hein, où là-bas ça va être compliqué à jouer. Et ils vont pouvoir essayer de tenir la baraque là-bas et de venir chercher un résultat ici pour espérer continuer, mais c'est pas la question aujourd'hui, on se concentre sur ce match-là. A noter que les deux équipes traversent actuellement une période assez faste avec les deux qui enchaînent du côté de Pilsen, il y a 4 victoires de suite en championnat, alors que du côté de Servette on est sur 5 victoires, toutes compétitions confondues, 3 en championnat et surtout 4 blanchissages de suite dans des matchs contre Saint-Gall important en coupe face à Delémont et même contre un Young Boys. Donc ce qui permet, et la victoire évidemment en Bulgarie à Ludogorets 1-0, et le tout va bien pour Servette, on peut le dire en ce moment avec le championnat. Ils sont plus qu'à un point du leader IB qui est dans une certaine crise, on peut dire, qui a dû virer son coach il n'y a pas longtemps. Même en coupe, ils disputeront les demi-finales face à Winterthur, n'oubliez pas la date, le 28 avril, et tout va bien pour Servette, hein. Mais tout va bien également pour le Victoria Pilsen, comme tu l'as dit, deux équipes dans une période assez faste, avec donc ces Tchèques qui restent sur 4 victoires et un match nul en championnat, et notamment une dernière victoire assez, comment dire, alors ouais, ouais, je vois ce que tu viens de faire. Les Servettiens viennent d'utiliser des engins pyrotechniques. C'est dommage, hein, parce que je pense que vous avez dû voir passer l'information que Servette est en sursis de 2 ans de pyrotechnie à cause de leur match face à Rome, il me semble. Et le prochain match, alors bon, c'est probablement le dernier match à domicile, je n'espère pas, mais le prochain match d'Europe se jouera donc à huis clos si l'UEFA respecte cette règle. Mais pas que le prochain, il me semble que c'est un sursis de 2 ans. Ah, mais il me semble que ils ont 2 ans, pas le droit de pyrotechnie. Ok, mais pour un match, et ouais. Un match sans supporter. Effectivement, mais ça serait dommage que ce soit pour l'année prochaine ou justement jusqu'en octobre 2025, comme l'a notifié Loïc Luchère lors de la conférence de presse. Ouais, alors je sais pas si ça vaut la peine, hein, je pense pas. Mais Je pense pas à voir si l'UEFA regardera d'un œil attentif ce match, mais évidemment je pense que ouais. Bref, je voulais juste revenir sur le fait que le Victoria Pilsen a gagné ce week-end, une victoire assez bizarre à analyser, une victoire 3-2 à Pardubice, mais une victoire 3-2 alors qu'il menait 3-0 à 11 contre 10 et ils ont pris quand même 2 buts. Alors est-ce que c'est du relâchement, est-ce que c'est peut-être une preuve de qu'il y a des failles dans cette équipe, je ne sais pas quoi vraiment penser pour cette équipe qui justement n'encaissait plus depuis 3 matchs avant celui-ci, avant ce même match du week-end dernier. Enfin bon, à voir cette solidité affichée par cette équipe, hein, comme on l'a dit, l'a affichée en Europe avec donc un but seulement encaissé lors de toute la phase de groupe. Ouais, effectivement, mais je pense qu'il y aura certaines failles du côté de Pilsen qu'il faudra évidemment exploiter au maximum. Après, de l'autre côté aussi, il y a certaines failles. Donc Alors qu'on n'aime pas voir ça, l'arbitre demande aux joueurs de changer de camp, ce qui veut dire que les joueurs servettiens attaqueront en face de la tribune nord pour la première mi-temps. Ce qui veut dire que les servettiens n'auront pas la tribune nord
et la section Grenat pour les pousser en seconde période. Mais l'ambiance est là, on sent l'ambiance est là, ça c'est chaud, ça chante. Malgré le fait que, pour parler de sport genevois, il y a actuellement au niveau du hockey le Genève Servette qui joue au Vernet dans leur pay-in face à Bienne. Ce qui peut faire que peut-être les gens a hésité entre les deux matchs, mais ce soir il n'y a pas de problème. Le stade est presque plein et on a hâte de suivre avec à moitié plein donc. À moitié plein. Ouais. Vu qu'on devrait attendre effectivement à peu près 15 000 spectateurs, ce qui est peut-être un petit peu mieux que peu mieux que contre Ludogorets et à peu près pareil que face au Shérif Tiraspol. À noter que les supporters tchèques ont fait le déplacement, hein, à peu près je pense 200-300 tchèques. Alors que le coup d'envoi a été donné et on commence directement avec Séverin. C'est vraiment un long ballon directement pour personne. Ça va être récupéré par le gardien Jedlica, numéro 16 de cette équipe du Victoria Pilsen et donc gardien tchèque ce soir. Alors que les Tchèques semblent s'avancer en 3-4-3. C'est pas ce qui nous a été annoncé sur la feuille de match, à voir comment tout ça va s'articuler. Mais pour l'instant, on a une équipe qui s'articule en 3-4-3. Ouais, très certainement, on verra comment ça se profile à la suite du match. Alors que les Tchèques essayent de s'en sortir sur le côté gauche, alors qu'il y a une poussette de Rouillé, mais pas de faute sifflée. Lele Liba, pour son premier ballon, essaie de sortir face à trois Tchèques. Tsunemoto qui met en profondeur pour la tête de Bola. Guimeno qui essaye de renvoyer Bola. Il y a une petite mésentente, mais Bola qui s'en sort. Attention, qui est au duel avec le grand défenseur tchèque numéro 21, Jemelka. Et ce sera malheureusement pas un corner, les Tchèques qui arrivent à se dégager. Ce sera une touche pour Servette assez haut et ça va pousser déjà les supporters et une première intrusion en camp tchèque pour les Servettiens. Alors que les Lediba qui récupère à l'extérieur de la surface, qui est gêné par l'arbitre, mais c'est récupéré par Magnin qui revient derrière, qui cherche des solutions. Il y a Andoua qui se propose sur le côté gauche. Magnin qui change de côté pour Bola, mais c'est trop long. Malheureusement, ce sera directement un dégagement aux 5m50 pour le gardien tchèque. Effectivement, c'est pas compris entre les deux joueurs et Bola qui a donc stoppé sa course, laissant ce ballon filer en 6 mètres. A noter que cette équipe était quand même une équipe expérimentée au niveau de l'Europe. L'année passée, le club tchèque est quand même tombé dans un groupe assez spectaculaire. En compagnie de l'Inter Milan, du Bayern Munich et du FC Barcelone. Et évidemment, j'ai presque envie de dire, ils ont terminé bon dernier de ce groupe. Mais tout de même, ça fait de l'expérience pour un club. Ça, c'est certain. Ouais, effectivement. Pilsen, un habitué des compétitions européennes. Qui, toutes les années ou toutes les deux ans, se qualifie pour des phases de poule. Il n'arrive jamais très loin. Alors qu'il y a une faute et un autre joueur à terre, c'est un peu la confusion. Il me semble que c'est Chouri. Je ne suis pas sûr, on voit pas tout. Il est par terre, on voit pas son numéro. Ça devrait être lui, hein, vu sa taille. Tu l'as dit, il me semble 2 mètres. Chouri. Ouais, tout juste pas 1m99, mais il va faire mal, hein, dans la surface. Il faudra absolument bien le couvrir. Et c'est bien lui, le numéro 15. Tchèque, il a l'air de se plaindre de douleur de dos. À voir. S'il devra céder sa place. Les Servettiens en possession du ballon avec Johan Séverin. Johan Séverin qui va retourner sur son capitaine. Non, c'est peut-être bien Jérémy Frick ce soir. J'ai l'habitude que ce soit Steve Rouillet en championnat avec la titularisation de Joël Mal. Mais c'est bien Jérémy Frick ce soir avec un dégagement un petit peu compliqué là pour Théo Magnin qui va pas se compliquer la vie et directement dégager sur Crivelli qui allait chercher ce ballon un peu plus bas que d'habitude. Et c'est pas mal là. Il peut donner à. On doit qu'il s'en sort au milieu de terrain face à deux joueurs tchèques et ça permet aux Servettiens de relancer avec Steve Rouillet. Rouillet qui va décaler pour Bola sur le côté droit. Bola qui rentre dans le camp avec une passe, mais c'est directement pour un tchèque et c'est récupéré. Bien joué la tête de Rouillet et ce sera récupéré par Bola qui cherche des solutions. On essaye de s'en sortir, mais les tchèques qui vraiment cadrent bien le terrain et qui mettent la pression sur les joueurs Servettiens, alors que là c'est récupéré en défense par Kadou. Il va essayer. Ah, c'était Doué, pardon. L'arbitre est revenu sur une faute. Ouais. Mais ça n'a pas l'air d'aller. Hein. Choré qui continue à faire des étirements et à essayer de comprendre sa douleur. Mais on dirait qu'il a mal au bas du dos. Et on espère qu'il n'y a rien de grave pour lui. Même si je ne peux pas être méchant, mais si on pourrait éviter de l'avoir tout le long de la rencontre, ça pourrait nous aider. Mais. Là n'est pas la question, c'est bien joué. Le ballon qui est récupéré par Jérémy Frick qui va essayer de trouver des solutions. Premier ballon dans les mains pour Jérémy Frick. Première prise de balle on va dire, il n'y a pas eu d'arrêt
à effectuer pour le moment. Bientôt 5 minutes de jeu, toujours pas de, d'occasion de part et d'autre. Crivelli là qui peut dévier ce ballon pour Guimeno, mais c'est dégagé par les joueurs tchèques et ça va revenir dans le rond central là avec avec Vidra, pardon, j'avais oublié son, son prénom, il m'avait échappé. Il faut bien se comprendre là entre Magnin et Séverin. Finalement c'est dégagé un petit peu en, en panique par les Libas. Et Kuteza qui va aller faire le pressing, mais c'est bien géré de la part de la défense tchèque. Ouais, pressing timide hein, de la part des Servettiens pour l'instant, mais il faut se lancer dans le match. On est encore dans la phase d'observation. Et là le ballon pour Jedlica qui va essayer de trouver des solutions. Crivelli qui va quand même venir mettre une certaine pression, mais aucun problème pour Jedlica qui va la prendre dans les mains. On va chercher des solutions, à mon avis ça va être un long dégagement. Effectivement c'est un long dégagement, alors pour qui ce sera? Attention, il y a un cafouillage, attention au deuxième ballon, mais c'est directement pour les gants de Jérémy Frick qui va s'empresser de dégager directement de l'autre côté. Alors je sais pas si on fait un goal à goal, mais alors que là c'est bien récupéré par Crivelli, malheureusement il est pris par deux joueurs. C'est bien mis dans la profondeur pour le joueur tchèque, le numéro 11 qui décale pour Chori. Et là le centre qui a été dévié, et ce sera pas un corner, j'ai cru que le ballon avait été dévié, alors j'ai du mal voir. Effectivement, les joueurs tchèques ont du mal voir également, donc. Ou alors seul l'arbitre a eu raison. À voir, mais ce ballon n'a visiblement pas été dévié. Et Frick qui peut relancer directement sur Tsunemoto avec Bola. Il y a quelque chose à faire là. Bola qui prend l'axe, malheureusement. C'est bien défendu de la part des Tchèques. Il commet même une faute. Et les Tchèques vont rapidement jouer avec, avec Mosquera. Attention, c'est rapidement perdu là. Et c'est récupéré par Diba. Ça peut profiter à Jérémy Guimeno. Jérémy Guimeno entre deux Tchèques là. Il s'est bien débattu et il n'y aura pas de faute. C'est même lui qui va finalement commettre la faute, c'est un petit peu dommage. Ouais, là il y avait des bonnes choses à faire avec des appels de Crivelli et de Ondoa dans l'axe où il n'y avait aucun défenseur tchèque sur eux. Il y aurait eu des solutions, mais c'est peut-être un axe à essayer, c'est peut-être une opportunité à aller chercher. Alors que là, le ballon est dans la défense tchèque avec Doué. Doué qui cherche des solutions. Hranak maintenant qui va jouer sur, sur YMLK, Kadou. Sur le côté gauche, Kadou pour un centre qui a devancé Séverin là, c'était Chouri. Et finalement ça va revenir sur Bola en déviation pour Guimeno qui l'a dévié lui-même pour Crivelli. J'ai cru que cette déviation aurait pu être un petit peu plus intéressante. Finalement c'est récupéré par les Tchèques avec Kopic maintenant, numéro 10. Kopic qui retourne derrière sur Doué, qui joue avec son compère en défense centrale apparemment, Hranak. Ouais, on doit un petit peu s'habituer au... Qui décale encore une fois sur YMLK. Au nom tchèque. Mais Kadou qui sur le papier est plutôt milieu, donc c'est pas étonnant que là il soit un peu plus au-dessus et qu'il laisse la place en défense pour les trois véritables défenseurs de métier qui sont Hranak, YMLK et Kadou. Donc il a peut-être plus de liberté. Alors que là les Tchèques qui vont rentrer dans la surface, c'est bien joué pour le numéro 10. Attention, et le bon retour de Kuteza qui va pas sauver le corner. J'y ai cru un moment, mais ce sera le premier corner de la rencontre pour Victoria Pilsen. Et attention donc à ces grands joueurs et à ces joueurs d'expérience entre Chori et Vidra. Mais à noter tout de même un bon retour de Jérémy Guimeno. J'étais surpris de le voir à cette position là pour défendre, mais c'est bien joué. Et le corner qui va être effectué normalement par le capitaine tchèque de cette équipe, Kopic, lui qui était d'ailleurs présent pour la seule confrontation entre un club suisse et le Victoria Pilsen. C'était lors de la saison 2017-2018 en Europa League face au FC Lugano. Parce que le FC Lugano avait obtenu une victoire donc à Lucerne en Suisse et avait dû s'incliner malheureusement 4-1 en Tchéquie. Et là un corner qui a été joué on va dire à deux, à rater. Ouais, à rater. Et cette bien combinaison aurait pu marcher, mais heureusement ça n'a pas prêté à comment dire. Ça n'a pas abouti. Exactement, ça n'a pas abouti. Et juste pour finir là-dessus, Lugano avait fini cette phase de groupe 3ème, tandis que le Victoria Pilsen avait terminé 1er et avait échoué en 8ème de finale de l'Europa League face au Sporting Lisbonne. Alors que Jérémy Frick qui demande à son équipe de monter pour effectuer ce dégagement et retenter une incursion en terre tchèque. Alors que là, c'est bien joué la tête pour Crivelli qui est poussé dans le dos et il n'y aura rien. Alors que là, le ballon qui est dégagé, le deuxième ballon est pour les Tchèques. Mais c'est bien récupéré par Ondoa qui rate son contrôle et c'est décalé sur le côté gauche, droite, pardon. Alors que Vidra qui a tenté quelque chose, et ce sera un deuxième corner. Là, attention, Servette qui se laisse prendre sur son côté droit et qui concède un deuxième corner. Il faudra être vraiment vigilant. Ce côté droit qui a l'air d'être un peu à la peine.
ça va pas être facile à gérer effectivement avec les grands gabarits comme tu as dit des Tchèques, mais bon on a été habitués hein, face au Slavia, c'était à peu près pareil. Moi j'ai pas forcément plus ou moins de crainte que face au Slavia, simplement peut-être le style de jeu tchèque qui nous convient peut-être pas forcément, à voir si ça va se confirmer. Et là on a un long ballon qui a été joué sur Kuteza, et l'arbitre va peut-être enfin donner une faute. Ouais c'est juste hein, parce qu'il s'est fait grimper dessus là Kuteza, alors que c'était compliqué pour le ballon, mais il s'est fait grimper dessus et il va obtenir la faute. Et c'est non finalement ce sera une touche. Effectivement non, on est un petit peu étonné là. C'était quand même une faute. Et ça va être joué de la part de Théo Magnin, donc sur ce côté gauche, probablement pour Crivelli, non, finalement, il sera Diz. Si, ce sera pour Crivelli, en déviation ça aurait pu être bien pour Kuteza. Le ballon est remis par Ondoa, et Crivelli qui est vraiment sauté super haut, et qui est même sauté sur son adversaire. Et là, il y a encore une fois une nouvelle faute pour les Tchèques. À noter peut-être également... Alors que là, le défenseur doué qui a l'air de souffrir... Hein. À noter peut-être l'arbitre de la rencontre, monsieur Morten Krog. J'ai regardé juste avant le match, arbitre pas extrêmement expérimenté de ce que j'ai pu trouver sur Transfermarkt. Il n'a que 20 matchs en professionnel, arbitre danois de cette rencontre. Un match de Ligue des Champions et 3 matchs d'Europa League, c'est plutôt maigre. Ouais, à voir comment il va s'en sortir durant ce match ainsi que ses collègues tous danois. Alors que là, les deux médecins d'équipe sont autour de Douai et s'inquiètent de sa santé. Il semblerait qu'il y ait eu un choc tête contre tête. J'ai malheureusement pas pu voir le ralenti, mais je l'ai sous les yeux. Alors non, il s'est bien pris le coude et tout Crivelli sur lui. Et Crivelli qui malheureusement ici concède une faute et qui, je pense pas qu'il y avait à se plaindre hein, sur cette faute. Non, attention, je pense pas qu'il y avait. Il y avait vraiment grand chose, mais l'arbitre a sifflé la faute et le joueur tchèque va devoir sortir. Ouais, pas d'avertissement pour Crivelli, ça c'est plutôt bien. Avec une poche de glace. C'est sympa de prendre une poche de glace quand il fait déjà seulement 5 degrés ce soir. Ouais, je pense que ça aide bien. C'est plutôt pas mal. Le dégagement va être donc pour les Tchèques. Toujours pas d'occasion vraiment. Il y a eu un corner, c'est vrai, pour les Tchèques qui a abouti à une frappe. Mais pas de grosses occasions dans ce match. Ouais. Alors que le ballon est pour les Tchèques, mais c'est bien dégagé par Magnin qui met, mais c'est trop loin malheureusement pour Crivelli. Edouard qui est de retour sur le terrain, tout a l'air de bien aller. Avec Jedlica qui remet sur Douai, qui va chercher des solutions. Qui se fait copieusement siffler. Qui copieusement siffler, effectivement, pour sa blessure. C'est étonnant qu'il soit aussi vite remis, mais c'est comme ça. En tout cas, il y a un autre joueur qui s'est remis de ses plaintes, c'est Tchouri, qui a l'air pour qui ça a l'air d'aller. Effectivement, alors que là, sous la pression des sifflets, Douai qui va mettre ce ballon directement en touche. Bien salué par les supporters également. Ouais. Alors que là le ballon est pour Magnin en touche, il va essayer de trouver des solutions. Mais la pression tchèque est présente et le ballon qui est immédiatement récupéré par les Tchèques qui jouent bien. Et les Diba qui c'est inexplicable, mais il a voulu tenter une sorte de contrôle, dégagement directement en touche pour les Tchèques. On va voir ce que les Diba va nous proposer dans ce match. Des fois il y a des gestes sortis de nulle part pour marquer des buts, et des fois c'est également pour défendre ou pour mettre le ballon en touche. Et cette fois-ci, ça nous a été proposé par les Lediba. Attention là, avec Kopić qui a pu transmettre à Mosquera. Finalement, c'est récupéré par ce même Lediba qui va s'empresser de dégager. Et la possession est vraiment tchèque hein, ce soir pour le moment. En tout cas, le ballon ne quitte pas les pieds des joueurs du Viktoria Plzeň. Avec un dégagement là du gardien directement sur Kopić qui joue en remise avec... c'était pas Tchouri, c'était... La protection de balle par Ondoa. C'était Vidra. Alors que là, la protection de balle de Ondoa, c'était très bien joué. Il va même concéder la faute. Peut-être la première faute obtenue par les Grenats ce soir. C'est possible. C'est pas possible. Pour taper sur l'arbitrage, ouais, mais c'est vrai que c'est peut-être la première sifflée en faveur des Grenats. Laissons-lui un peu de temps de se mettre dans le bain. S'il est correct des deux côtés, s'il laisse jouer, on verra bien. Bien sûr, avec les Diba qui a pu remettre là pour Jérémy Frick. Tout le bloc tchèque remonte. Jérémy Frick qui va probablement dégager long. Effectivement, c'est le cas. Certainement pour Crivelli qui a été bien cerné par Douai. Et la ballon difficile à contrôler pour Kadou. Il va mettre sur son compère Mosquera. Et finalement, ça va être une touche à mi-terrain pour les Tchèques. Le ballon qui va sortir sous les motos qui étaient montés au duel.
Et là, les Tchèques qui vont prendre le temps de se replacer. Et la touche qui est effectuée. On revient derrière sur Ranak. Qui change de côté avec Doué qui a un peu de peine sur le contrôle et qui va décaler directement sur Kopić. Doué qui, à chaque fois qu'il a le ballon, se fait siffler. Hein. On a l'impression qu'il s'est déjà attiré les foudres de la praille. C'est bien le cas. Ouais. Ondua qui va récupérer en défense, qui va bien s'en sortir, magnifique. Et qui va même se permettre un sombrero. Un sombrero, ouais. Voilà, j'en parlais des gestes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. En voici un geste technique. Mais là, et là, c'est par contre, une petite erreur technique également, une passe un petit peu manquée pour Kuteza. Début de match timide hein, de la part des Servettiens. Ouais. Qui essayent de contenir le mieux qu'ils peuvent les Tchèques qui se montrent déjà menaçants avec deux corners et. Mais pas vraiment de véritable tir et aucun tir vraiment de tout est pour compte. Alors que là, Krivelli qui va venir mettre la pression, c'était bien joué sur Jedlica. Mais on repart directement avec Ranak qui change de côté. Sur Kopić. Kopić sur la droite là qui va peut-être centrer. Là, il a vraiment un boulevard devant lui. C'est fait le centre qui est très intéressant. Il parvient jusqu'à Vidra, il me semble, dans cette chourie. Attention, la frappe. Tenter de mettre en retrait et finalement, c'est dégagé par Ondua, mais c'est compliqué. La pression tchèque est toujours présente. Et finalement, Ondua qui va concéder la touche, c'est compliqué. C'est peut-être le mieux qu'il pouvait s'en tirer, hein. Mais parce que c'était chaud hein. Dans la défense, c'était presque la panique. Les Libas maladroits hein, qui. C'est pas trop chaud, quoi faire. Mais c'est pas fini, attention là, avec Kopić ça va revenir, on tente de dédoubler mais c'est raté. Écoutez Zach, il peut relancer les Servettiens là, et c'est pas mal, il a vraiment bien débordé Doué. Kuteza qui change de côté pour Krivelli qui entend la frappe. Finalement c'est contré, ça va revenir sur Tsunemoto. C'est pas fini pour les Servettiens. Tsunemoto avec Bola qui va revenir sur Lediba. Il y a un joueur qui vient derrière lui mais c'est bien géré de la part de Lediba. Ouais attention Lediba, attention hein. Et les Servettiens là qui continuent avec Magnin sur le côté gauche. Magnin qui va revenir dans l'axe. C'est finalement pour Ondua derrière lui. Ondua qui va temporiser. Retour à Magnin. Magnin qui a peut-être changé de côté. C'est effectivement l'idée qu'il a voulu mettre en place, mais finalement on va revenir sur Jérémy Frick. Ouais, on va revenir directement sur Jérémy Frick. Mais on a vu une nouvelle opportunité pour les Servettiens, la contre-attaque. C'était pas forcément jouer le but du monde. Écoutez ça qui s'est fait lober. Mais non, c'est un hors-jeu, il l'a pas sauté. Ce sera un hors-jeu. Et le ballon qui est rendu au Tchèque. Servette qui a cette opportunité en contre. Et là, je pense que, mais malheureusement, on n'est pas sur le terrain, donc, évidemment. Mais Krivelli qui aurait pu laisser à Guimeneau qui venait derrière lui, qui était bien ouvert. Alors que là, le ballon est récupéré par les Tchèques. Mais le numéro 21. En soi, Krivelli n'a pas vraiment stoppé l'action parce que le ballon semblait quand même pas trop fort. Finalement, ouais, il a pu le garder en contrôle. Au final, on peut pas forcément lui reprocher. Mais après, c'est vrai qu'il avait plusieurs options. Peut-être décaler Guimeneau ou peut-être tenter la frappe, mais d'une autre manière. Ouais. Et finalement, c'était une frappe contrée. Ouais. Avec les. C'est un montage de la part de Tsunemoto. Tsunemoto, très bonne anticipation. Il y en a déjà eu des bonnes anticipations dans ce match, notamment Magnin qui a fait un bon jaillissement tout à l'heure. Et les Tchèques qui peuvent repartir avec Doué. Doué toujours sifflé avec Ranak. Ranak qui va chercher des solutions. Les Servettiens qui sont bien en place dans leur 4-4-2. Mais il va trouver Kopić, à tête de Kopić directement pour Magnin. Et là, il y a l'occasion de se projeter. Kuteza pour Krivelli, Kuteza. C'est dommage, la passe n'était pas si précise. Kuteza qui essaie de se démener face à deux Tchèques, mais c'est récupéré par les Tchèques au milieu de terrain. On vient derrière sur Ranak. Pardon, c'était Jemelka. Voilà. On joue avec le numéro 6. Cherve avec Doué. Qui certaine maladresse hein, de part et d'autre avec des ballons directement dégagés en touche, c'est le deuxième hein, pour Doué, le numéro 40 tchèque. À part le sombrero de Dondoua, c'est pas un match plaisant au niveau de la technique hein. Et je parle pas de Diego Esteban, je parle bien de la technique de ce match avec pas mal de choses ratées comme tu l'as dit. Mais attention, il y a une incursion tchèque là, un centre dans la surface, le premier. Oh là là, c'était compliqué là, finalement c'est dégagé et c'est bien joué de la part de Magnin qui peut relancer sur Kuteza. Kuteza qui a vraiment un boulevard devant lui une nouvelle fois. Et là il y a un 4 contre 5 à jouer avec Kuteza qui a peut-être changé de côté pour Bola. C'est effectivement ce qui est fait, mais le ballon est donné un petit peu trop mollement et finalement ça a été dégagé par Kadou. Maintenant pour Mosquera sur. C'est bien joué là, c'est bien dédoublé de la part de Mosquera qui va revenir sur Chori. Chori qui va revenir sur son capitaine, attention.
Et finalement, c'est bien joué de la part des Sarretiens. Récupération de Lely Diba qui va lancer Crivelli. Crivelli pour Guimeno. Guimeno, faut garder ce ballon. Mais il a pas senti le joueur tchèque arriver dans son dos. Et finalement, c'est récupéré par Doué. Ouais, la défense tchèque qui va récupérer le ballon avec Kopić. Cherche des solutions qui revient sur Doué. Doué qui joue le terrain. Doué qui revient derrière sur Ranak. C'est assez drôle ça quand même. Hein. Ranak qui revient sur Doué. Ouais, chaque fois qu'il a le ballon, il se fait siffler. Et applaudir à chaque fois qu'il le lâche. Mais de nouveau Doué, je sais pas si vous entendez les siffler au micro, hein, mais vous saurez quand Doué a le ballon en tout cas. En tout cas, alors, Diego est mort de rire. Hein. Ouais. Doué qui met un long ballon, c'est directement de l'autre côté pour Mosquera qui rentre dans la surface, qui tente un centre-tir, mais c'est directement pour la tête de Steve Rouillet. Crivelli, il y a une opportunité de continuer. Ondua qui cherchait son sur les Lady Black a fait un appel. Et Bola aussi de chacun de leur côté. On va jouer avec Bola, mais la passe de nouveau, elle est. C'est compliqué à tenter et elle est ratée, ce sera une touche. J'ai l'impression qu'on se complique un petit peu la vie là. Ondua qui a fait vraiment les pires choix possibles, qui a fait vraiment un contrôle, mais vraiment pas conseillé, on va dire. Et ensuite qui tente une passe mais impossible pour les Lady Black. Et malheureusement, ce ballon était perdu par les Servetiens. Retour au tchèque avec Hanak, défenseur central, qui va jouer avec son capitaine Kalvach. Cherv, finalement, c'est perdu là, récupéré par Bola. Et ça peut permettre aux Servetiens de mettre un petit peu le pied sur le ballon avec Jérémy Frick. Ouais, Jérémy Frick qui va refaire un long dégagement directement sur Crivelli qui s'est fait monter dessus par Doué. Et voilà, enfin une faute sifflée. En faveur de Crivelli, qui va essayer de jouer vite, mais le joueur tchèque, il me semble que c'est le numéro 10 Kopić qui va venir faire un peu d'anti-jeu. Mais ça reste bon enfant. Et on doit qu'il va essayer de chercher des solutions. On doit. C'est important, on doit. J'ai dit qui ? Oh non, je voulais rebondir. Pas de problème. À mi-terrain avec Séverin, ça a été rapidement joué dans les pieds avec maintenant Steve Rouillet. Dans le rond central, Steve Rouillet qui va tenter une transversale pour Théo Magnin. Le contrôle est bon. Théo Magnin qui va combiner avec Ondua qui cherche encore une fois une solution. Retour à Magnin. C'est vraiment bloqué hein, sur ce côté gauche. On va repasser par l'axe avec les Libas. On va même repasser un petit peu plus derrière avec Johan Séverin. Retour à Steve Rouillet. Steve Rouillet avec Bola. Non, finalement c'est manqué. Et ce sera une touche pour les Tchèques. Ouais. On voit les Tchèques qui essayent de faire une bonne ligne de 4 quand Servette a le ballon. Donc certainement un des milieux qui coulisse, certainement le Kadou qui coulisse entre le milieu de terrain et la défense. Et le ballon là qui est de nouveau mis en touche par Servette. Et ce serait une nouvelle touche pour les Tchèques après un peu de cafouillage au milieu de terrain. Touche pour Kadou, il me semble. Kadou qui n'a pas beaucoup de mouvement avec lui. Finalement c'est pour Chouri, retour à Kadou. Attention, le ballon qui traîne finalement. C'est dégagé par Servetien. Et là ça peut profiter à Jérémy Guimeno. Un gros tac sur Jérémy Guimeno. Et l'arbitre ne va que sanctionner verbalement. Et d'une faute donc celle-ci. Mais peut-être qu'un carton n'aurait pas été mérité. Hein, parce qu'on coupe quand même une action. Et le tac semblait rugueux de la part du Tchèque. Ouais, il semble que c'est Mosquée. Non, peut-être plus que impressionnant que... Peut-être plus impressionnant que ce que ça en a l'air. Mais tout de même un gros tacle. Steve Rouillet pour ce coup franc. Il va changer de côté jusqu'à Crivelli. C'est bien joué en remise avec Magnin qui va perdre ce ballon malheureusement. Et ça va être relancé par Cherv. Cherv toujours. Qui tente une percée là. Il est face à trois Servetiens. Il s'en sort bien. Il peut revenir sur Kopić. Kopić avec Vidra finalement non, il laisse passer pour Chouri et Kopić qui a tenté un long ballon un peu compliqué. Ça va quand même pas revenir de l'autre côté du terrain jusqu'à Mosquera, mais finalement c'est Bola qui peut récupérer et qui se heurte à un mur. Ce sera une faute pour les Servetiens. Il est venu s'empaler sur le milieu de terrain tchèque. Mais c'est bien, Servette qui va récupérer le ballon. C'est important là pour Servette de mettre le pied sur le ballon, de jouer simple, de faire des passes simples et d'essayer de venir porter le danger sur la cage de Yedika qui n'a pas eu énormément de travail à faire jusqu'à maintenant. Ah non, chômage technique pour les deux gardiens là depuis le début du match. C'est assez impressionnant alors qu'on est déjà quasiment
au premier tiers de cette partie. Dégagement de Jérémy Frick jusqu'à Kuteza qui va se battre pour aller récupérer ce ballon, même si la touche est servétienne. Il a envie de mettre un petit peu de... On a envie peut-être un petit peu de mettre du rythme dans cette équipe servétienne, même si le début de match est pour le moins compliqué dans la création d'occasion et dans la gestion du ballon. Et là justement on s'est pas compris entre Bola et Crivelli, et ça profite à Mosquera qui va pouvoir relancer les tchèques avec Tcherv maintenant. Tcherv qui remet à Mosquera et on aura une touche servétienne. C'est bien joué, la passe qui est manquée, ou plutôt le contrôle par le tchèque, mais c'est récupéré en attaque par Tsunemoto qui va essayer de chercher des solutions, qui rentre dans l'axe, il cherche des solutions, il y a eu un peu trop de temps, mais il décale bien sur Bola. Alors que Crivelli et Guimelo à l'entrée vers la surface font des appels. Tsunemoto qui nous fait plaisir avec ses dribbles. C'est remis derrière par Andoua qui cherche Guimelo en une touche pour les Diba, mais c'est malheureusement pas précis. Et les Tchèques qui vont récupérer le ballon et qui vont se projeter très vite avec le numéro 10 qui va trouver une solution directement sur Vidra. C'était Chori pardon qui va rater son contrôle et concéder la touche pour Johan Severin. Ouais, Johan Serin qui va effectuer sa touche directement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a envie de visiblement mettre du rythme dans cette équipe servétienne, même si pour l'instant c'est pas ce qui se fait le plus sentir dans ce match. Avec Steve Rouillet qui va changer de côté, mais c'est totalement manqué. Hein. Vraiment, les impressions techniques sont énormes dans ce match et se font ressentir quasiment à chaque instant. Bon, ça voudrait dire que toutes les passes seraient manquées, mais plutôt pour dire qu'il y en a passablement, en tout cas plus que d'habitude. Ouais, Servette qui va devoir corriger ça s'il veut à minima essayer de rentrer déjà dans la surface des Tchèques. Peut-être même déjà rentrer dans son match en soi. Ouais. Qui pour l'instant se contente de contenir les Tchèques et de. Je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire en ce moment, mais le ballon est toujours Tchèque et ça se joue au milieu de terrain dans les petits espaces. Ça revient derrière pour Ranak qui cherche des solutions mais qui décale sur. Yemelka qui rejoue avec Ranak qui va chercher une solution. Guimelo qui va venir mettre la pression comme Bola. La passe est bien jouée sur Kadou pour la touche. Que le ballon sera en touche pour les Servétiens finalement qui vont récupérer après ce contrôle manqué de la place de Mosquera. Non, c'était Kadou pardon. Et c'est vraiment criant dans ce match. Je viens de regarder les stats. 3 tirs. Mais 3 tirs dans l'ensemble du match. Hein. Ah. 1 pour Servette, 2 pour les Tchèques et 0 cadré. C'est assez fou. Je sais pas si c'est un petit peu de la crispation dans ce 8ème de finale de Conference League. Ou si c'est simplement le match qui a de la peine à démarrer. De par le round d'observation et peut-être l'appréhension un petit peu des Servettiens. De jouer une équipe tchèque à nouveau, même si Guimeno l'a dit en conférence également, en tant que joueur professionnel, on n'a jamais peur de jouer un match. Mais c'est clair qu'il faut toujours se méfier d'un adversaire qu'on connaît moins. Ouais, mais ça reste tout de même assez pauvre pour les Servettiens, alors que là, on se prépare pour une longue touche du côté des Tchèques. Il me semble que c'est, si je ne dis pas de bêtises, Mosquera qui va l'effectuer, ce sera directement sur la tête de Rouillet qui dégage bien. Et malheureusement, il n'y a aucun Servétien pour récupérer le deuxième ballon. Et les Tchèques qui vont immédiatement remettre dans la boîte. Une longue transversale, c'est bien joué pour Kopić. Le numéro 6 qui va essayer de trouver des solutions. Attention, le centre. Et ce sera... C'est bien dégagé par les Servétiens. Mais c'est récupéré par Doué. Je ne sais pas si vous avez entendu les sifflets à nouveau. Alors qu'on est revenu totalement derrière sur Jedlika. Qui va essayer de trouver des solutions, mais qui va renvoyer directement un long ballon. Sur Kopić au duel, ça a touché personne et ce sera directement une touche pour les Servettiens. Pardon. Ouais, effectivement, Théo Magnin hein, qui va pouvoir effectuer cette touche. Qui cherche un partenaire. Ça va être pour Jérémy Guimeno. Non, finalement, c'est pour Kuteza qui va céder de Guimeno. C'est pas mal fait entre les deux hommes qui se connaissent évidemment très très bien. Et Guimeno qui peut récupérer ce ballon chanceusement. Qui va peut-être pouvoir entrer dans la surface enfin. Non, il laisse le ballon sur la ligne des 16 mètres. Et les Servettiens perdent le ballon finalement. C'est bien battu quand même de la part de Guimeno ouais. Qui va concéder la touche mais qui empêche les Tchèques de se relancer rapidement. Et ouais. Donc la touche est pour Douai. Un gros effort réalisé par Guimeno pour essayer de,
d'éviter la contre-attaque tchèque. Et là, la touche qui est bien jouée, mais Rouillet qui va sereinement remettre derrière sur Jérémy Frick. Alors attention au pressing de Vidra. Attention Jérémy Frick de pas faire d'erreur dans un endroit si crucial. Mais c'est bien joué là. Bah, ça a été bien géré là. Ouais. Ouais. Bien géré de la part de Magnan qui a remis directement en de la tête ce ballon et qui ne s'est pas trompé. Magnan qui fait vraiment un bon début de match. Hein. Magnan qui peut peut-être lancer justement Kuteza. Ça peut être intéressant et finalement ça va probablement filer pour le premier corner servétien. Ouais. Et ça fait du bien là d'enfin se rapprocher un petit peu des cages du Viktoria Pilsen. Pourquoi pas une première occasion servétienne dans ce match. En tout cas. Ce corner devrait s'effectuer par Bola qui a l'appui de Kuteza. A voir si ce corner va être joué à deux. Bola qui prend le temps de bien placer ce ballon. Il faut se saisir de toutes les opportunités possibles et là on en a une réelle. Il faut s'appliquer. Benegous Bola pour le corner, c'est parti, c'est rentrant, c'est dégagé au premier poteau par les Tchèques. Ça va revenir, une tête qui est remise de la part de Rouillet, mais c'est directement dégagé par un joueur blanc à nouveau. Et ça va revenir par Magnan. Magnan pour Crivelli qui remet dans le dos un petit peu de Séverin. Mais Séverin qui est toujours dans la surface là, qui danse un petit peu, qui va remettre sur Crivelli en position de centreur qui finalement s'est dégagé par Kopic. Et on reste toujours devant la cage tchèque. Ouais, mais il n'y avait pas énormément de Servetien ici pour reprendre le centre de Crivelli. Il y avait uniquement Rouillet et Séverin qui étaient restés en attaque. Mais c'est bon à prendre pour Servette et là qui va rester haut avec uniquement. Bah on revient tout de même sur Frick, mais Servette qui va essayer de rester haut et qui peut essayer de construire sur ça une première occasion. Qui n'a malheureusement pas trouvé de tête servettienne, mais c'est bon à prendre. Alors que là, un bon ballon, le contrôle magnifique de Kuteza qui va essayer de chercher des solutions, qui va changer de côté directement pour Tsunemoto. Ça c'est très bien joué. Tsunemoto qui va centrer. Il y a des servettiens dans la cage. Attention, la tête de Kuteza, dommage, c'était bien défendu par la défense tchèque. Mais c'est de retour. C'est vrai, qui malheureusement ne s'est pas compris avec Magnan. Mais ça commence à venir, on commence à voir le bout du tunnel pour Servette. À voir si c'est un feu de paille ou si c'est peut-être le début d'une domination qui commence à s'installer. En tout cas, ça faisait bien deux minutes que les Servettiens étaient devant la cage, devant les cages tchèques. À voir si cela se confirme, même si là la touche est pour les pour Pilsen. Et ouais, effectivement, hein, Douai qui a gagné pas mal de mètres et la faute sera finalement de la part de Théo Magnan. Coup franc. Ouais, attention, coup franc. Théo Magnan un peu maladroit mais qui est venu marcher sur le pied de l'attaquant tchèque. Et ce sera une touche assez lointaine, une faute pardon, assez lointaine pour les Tchèques qui vont prendre le temps de le tirer. Effectivement, avec probablement Mosquera pour le tirer. C'est joué à deux avec Kalvach qui va jouer avec Kopic. Retour au capitaine tchèque qui va centrer et Frick qui décide directement s'interposer et malheureusement il ne peut pas vraiment relancer rapidement. Si finalement c'est le cas avec Ondoa qui s'est proposé sur la droite et maintenant à mi-terrain qui va continuer son action malgré une faute tchèque. On laisse l'avantage Ondoa qui tarde un petit peu finalement et il a beaucoup trop tardé Ondoa alors qu'il avait pas mal de solutions avec lui. C'est dommage. On va devoir reconstruire cette attaque avec Bola maintenant. Bola qui revient sur Ondoa avec Séverin. On va changer de côté, on va passer peut-être par la gauche. Non, finalement c'est pour Steve Rouillet dans le rond central. Rouillet qui va écarter sur Tsunemoto et c'est bien coupé de la part d'un tchèque. Ce sera une touche servétienne. Ouais, Servette qui continue à essayer de porter le danger sur cette défense tchèque. Et c'est bien joué. Là la touche directement pour Ondoa qui revient derrière sur Steve Rouillet. Rouillet qui avance dans le rond des 16 mètres, dans le rond de, au centre du terrain, pardon, il n'y a pas de rond dans les 16 mètres. On revient sur Jérémy Frick. Il y en a un petit. Il y en a le quart de cercle, peut-être, un demi-cercle. Mais voilà, on va se concentrer sur le jeu avec Tsunemoto, qui joue avec Crivelli, qui est redescendu bas, venir chercher ce ballon. Rouillet, qui va avancer. Rouillet, qui essaie de proposer des solutions, mais qui est bien repris par Chori, mais on revient derrière sur Tsunemoto. Séverin sur le côté gauche. Séverin, la longue transversale pour Crivelli. Bien tenté, mais le contrôle de la tête est un peu trop long. Ondoa qui a peut-être des solutions avec Kuteza. J'ai l'impression que l'arbitre il gêne, hein, mais voilà.
Voilà, le contrôle s'est bien joué, la tentative de reprise qui était directement contrée par un tchèque, et ce sera un deuxième corner servetien cette fois-ci et de l'autre côté. Effectivement, cette période de domination commence un petit peu plus à se confirmer, même si entre deux on a eu un coup franc des tchèques suite à la ressortie de balle. Mais là, depuis qu'on doit tenter sa percée, on n'a plus perdu le contrôle de ce ballon, et ça offre un deuxième corner aux servetiens dans cette partie. 35e minute de jeu, c'est parti pour Bola, c'est directement sur les Diba, mais c'est dégagé au premier poteau par les tchèques. Et là Mosquera qui se trompe un petit peu de sens finalement, il a son compère de défense pour relancer, et ça va peut-être être récupéré par Ondua, finalement c'est le cas, mais par Tsunemoto victime d'une faute finalement. Non, j'allais dire qu'on laisse l'avantage, mais ce sera un premier carton dans cette partie. Premier carton pour Kadou, il me semble. Ouais, le latéral gauche de cette équipe. Et donc premier carton jaune pour les tchèques. A noter qu'on a pas mal de joueurs servétiens menacés de suspension, notamment dans ce match pour le match retour. Je vais peut-être les retrouver assez rapidement. J'avais gardé ça pas loin. On va profiter. Johan Séverin, une longue transversale. C'est directement pour Crivelli, la tête, c'est bien joué. Le deuxième ballon qui est récupéré par un tchèque qui a sauté très haut. Voilà, qui finalement s'en sort à l'entrée de la surface, qui va trouver, c'est bien joué avec Crivelli, qui trouve une solution. Crivelli, c'est Guimeno depuis le début, pardon. Guimeno qui revient derrière sur Tsunemoto, qui revient sur son défenseur central rouillé. Tsunemoto qui met une très bonne passe, bien fait, pour Bola dans l'axe, sur le côté. Je suis à l'ouest. Et le ballon est finalement dégagé par les tchèques. Et pour simplement revenir rapidement là-dessus, effectivement on a Steve Rouillet, Johan Séverin, Bradley Mazikou, Gaël Ondois et Timothée Cognac qui sont menacés de suspension. Donc pas des moindres, vraiment des titulaires. Même si ce soir il y en a deux qui sont remplaçants. Mais attention, les Servettiens qui vont continuer là, qui gardent un petit peu le pied sur le ballon. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'évidemment quand on a le ballon en possession, il n'y a pas de danger, mais effectivement, évidemment, il fallait que je le dise pour qu'on le perde avec Mosquera. Mosquera pour lancer cette attaque tchèque qui peine un petit peu à jouer son ballon. Finalement, il va changer de côté et c'est bien fait parce qu'il y a un boulevard là pour Kadou. Il ferait bien de l'exploiter pour les tchèques. Kadou qui centre et finalement, c'est coupé par Séverin, justement, comme tu l'as dit, et c'est dégagé en touche. A noter que Mosquera, il me semble, a interversé de côté avec, il me semble que c'est Kopić. Non, pas Kopić. Kadou, il me semble, parce que on l'a vu, il était sur le côté gauche avant et maintenant il est plus sur le côté droit. Mosquera est revenu maintenant sur le côté gauche, c'est d'ailleurs lui touche le ballon pour Kadou. Mais effectivement, il était sur le côté droit tout à l'heure, mais c'était peut-être en phase défensive qu'il était au deuxième poteau sur le corner. Et finalement, ce ballon était mal joué. Donc ce centre-là, vraiment, il n'y avait aucun joueur dans la surface qui est directement allé en dégagement pour Jérémy Frick. On peut parler également de certains absents du côté de Servette. On avait Cognac qui était annoncé incertain, probablement malade, et qui finalement est bien sur le banc. Et Servette qui a fait tourner quand même, hein, mais qui pourra utiliser ses atouts majeurs au cours de la deuxième période pour essayer de venir débloquer ce match. Alors que là, le dégagement est bien joué. Guimeno, le ballon est en l'air, faut le mettre par terre. Ladybug qui apparemment a touché ce ballon de la main, il me semble. Ouais, c'est ce qu'a l'air de signaler l'arbitre, en tout cas. La faute est pour les tchèques. Mais oui, t'allais dire. Ah non, j'allais dire que si on peut regarder du côté de positif pour Servette, c'est que du côté de Pilsen, il y a deux joueurs absents de grand nom, notamment si je me rappelle bien de son Sulch. Nom, Sulch, qui est le meilleur buteur de tchèques avec 17 buts marqués. Donc suspendu pour avoir reçu 3 cartons jaunes dans la phase de poule. Mais il sera là au match retour. C'est quand même une mauvaise nouvelle. Mais de l'avoir eu un des deux matchs absent, c'est déjà ça à prendre. Et un autre joueur qui est, je n'ai pas là le nom, mais qui est blessé de longue durée, mais qui est un très bon joueur, Durosini, qui est le joueur le plus cher de cette équipe à 5 millions, mais qui est une opération. Donc il ne sera pas là durant... cette double confrontation, alors que là on se concentre sur le ballon avec les Ladyba qui joue bien sur Bola. Bola qui va revenir sur les Ladyba. On va passer par Tsunemoto sur le côté droit. À un peu plus de 5 minutes de la mi-temps, les Servettiens qui vont peut-être essayer d'amener encore une attaque. Le ballon de Bola malheureusement est imprécis et finalement c'est récupéré par les tchèques avec Chouri en remise sur son capitaine. Mais finalement ce ballon est
vraiment mal joué, mais ça va quand même être compliqué à gérer pour Jérémy Frick qui va devoir protéger ce ballon sans faire de faute. Attention, c'était pas loin. Et finalement ce ballon était plus compliqué à gérer que prévu, mais disons que le ballon n'était pas vraiment destiné à un check, on va dire qu'il était plutôt imprécis. Et finalement Frick qui s'en sort bien, qui va pouvoir dégager ce ballon. Jérémy Frick donc pour le dégagement. Il y a Kuteza qui est seul sur la gauche, vraiment le seul joueur des 22 acteurs sur la gauche. Il l'a vu Jérémy Frick, mais il est quand même devancé par Choury, c'est un petit peu dommage. Et c'est peut-être que René Weiler est en train de lui dire. Mais le joueur là qui s'est fait mal, Kopić, qui s'est fait mal tout seul, il me semble, je ne sais pas si Kuteza l'a touché. Qui apparemment il semblerait que Tézal ait touché, que ce soit un coup, mais on dirait que je l'ai pas vu. Est-ce que l'arbitre a par hasard sifflé faute? Non, je crois pas, mais je pense pas. Non. Au vu des sifflets que j'ai entendu si soudainement, j'ai cru qu'on avait peut-être accordé une faute à cette action. Finalement c'est donc une touche pour Théomanien à mi-terrain. Théomanien qui attend des aides. C'est ce qui est fait là de la part de Crivelli, bien ceinturé par Douai, pas de faute. Et là, compliqué à gérer, non. Finalement, c'est tranquille pour Johan Séverin. Et Rouillet, il va pouvoir remettre pour Frick, qui va dégager dans les pieds de Séverin. Mais faut pas se tromper là. Frick qui a failli commettre une erreur. L'erreur, elle est commise là par Théomanien. Et finalement, c'est dégagé par les Diba, un petit peu en catastrophe. Est-ce que ce ballon est exploitable pour Bola? Non. C'était presque possible s'il avait couru un peu plus vite. Mais malheureusement, c'est récupéré directement par Servette. Sur les motos. Waouh! Alors là, j'ai pas compris. Comment dire? C'est assez surprenant. Hein. Le plongeon était plutôt beau de la part de Mosquera. Je sais pas ce que t'en penses. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un gros plongeon là. Il y a Tsunemoto avait gagné son duel et elle avait pris de l'avance sur son adversaire. Et finalement, le joueur tchèque qui se plaint de douleur à la tête ou dans le dos d'un potentiel coup de coude. Moi, le duel me semblait réglo. Hein. Je sais pas ce que t'en penses visiblement là sur le carton ralenti. Jaune pour Tsunemoto là qui est sévère, non? Qui est contraignant. Ouais, effectivement, ce plongeon là, on voulait laisser du temps à ce nouveau gardien entraîneur Morten Kroo. Alors que ça joue, hein. Le coup franc a été joué, mais le centre qui est bien contré par Tsunemoto directement en touche. Ce nouvel arbitre, effectivement, Morten Kroo, qui on lui a laissé du temps, mais apparemment, on va peut-être lui acheter une paire de lunettes. Hein. C'est vrai que pour l'instant, il y a eu 2-3 décisions un peu incompréhensibles. Mais attention, là, ça combine bien dans les rangs tchèques et le centre là qui parvient. Et finalement, c'était une partie de cafouillage. Attention, hein. Bah non! Il y a évidemment faute. Il y a une énorme faute sur Jérémy Frick là, il lui marche dessus, le ballon continuait de rouler. Finalement les tchèques ont marqué, mais évidemment la faute a été sifflée avant. Non, là ça mériterait jaune. Par contre là, la faute sur Jérémy Frick mériterait jaune. Les soigneurs qui s'empressent de rentrer sur le terrain. Ouais, à mon avis, là, ça mériterait jaune. Et est-ce que Joël Mal est parti à l'échauffement là? Parce que petite inquiétude pour Jérémy Frick, on espère qu'il n'y a rien de grave. À voir si il a vraiment été marché dessus ou si c'est plus un duel physique. On commence à avoir certains doutes sur l'arbitre. Ouais, c'est vrai que quand on voit le carton jaune donné à Tsunemoto et là-dessus rien. Ah ouais, alors pour vous expliquer, le ballon est au sol, Jérémy Frick sort, il y a un premier ballon, un premier pied qui se prend dans les bras de Jérémy Frick et le deuxième qui vient littéralement dégager le visage de Jérémy Frick. Mais ça a l'air d'aller, il est debout et il va pouvoir effectuer ce dégagement. Ouais, ça a l'air d'être plus de peur que de mal, mais il a quand même bien ramassé le pied de l'attaquant tchèque au niveau du visage. Ouais, tout de même, pas de carton jaune, c'est un petit peu douteux. Mais le dégagement a été effectué de la part de Jérémy Frick. Finalement, c'est récupéré par les tchèques avec Mosquera. Finalement, c'est perdu. Et ça va revenir avec un centre de Bola
c'est pas mal fait. On demande une main de la part de Crivelli. Il faut jouer. Ouais, c'est dommage de pas continuer son action. Ouais, je sais pas si Crivelli réclamait une main ou un ceinturage, on va dire. Le ballon qui revient pour Guimeno, qui va à nouveau commettre une faute. Et à nouveau un carton jaune pour Jérémy Guimeno. Oh là là, le match commence à incroyable. C'est incroyable. Ça commence à mal tourner là pour les Servetiens qui. Qui prennent carton sur carton. Et que. Bah alors là, par contre, Crivelli, je pense qu'il aurait dû continuer de jouer. Je pense pas qu'il y avait grand chose. Et il s'est arrêté de jouer à l'entrée de la surface. Mais là, on va se concentrer sur cet arbitrage qui est très bancal hein, de la part de l'arbitre. En tout cas, en tant que Servetien, on a de la peine à comprendre vraiment. Mais donc. Ouais. Si chaque duel de la tête est sanctionné, ça va être compliqué. Hein. Parce que je pense pas que les coups de pouce de cette manière, mais bon. Les Tchèques vont se relancer suite à ce coup franc avec Jedlička, le gardien tchèque, qui va balancer. Et là, il y a un ceinturage quand même de la part de Steve Rouillet. Et là, il ne donne pas de faute, monsieur l'arbitre. Mais c'est ça joue avec Crivelli, qui malheureusement perd le contrôle de ce ballon. C'est quand même assez drôle. Non, Crivelli. Crivelli, faut pas s'énerver là. Hein. Ouais. On connaît. J'ai eu peur. On connaît le sang chaud de Crivelli. Deux minutes de temps additionnel. Et effectivement, Crivelli qui est au duel avec l'autre attaquant, Churi. Ouais. Churi Crivelli pour un duel 100% attaquant, c'est assez spécial ça. Alors qu'on avait. On va regarder ce coup franc joué qui est bien remis de la tête au centre. Attention, ça combine bien le centre. Faut faire attention là, faut dégager ce ballon. Le numéro 23. Calva qui va remettre dans la surface, Calva qui va essayer de s'en sortir et de sonner moto qui va bien. Là cette fois-ci c'est un duel épaule contre épaule, rien d'illicite. Et Kimeno qui va essayer de lancer le jeu mais c'est bien récupéré par les Tchèques. Alors qu'on avait une question dans le chat, alors qu'il y aura une touche pour les Tchèques, une question dans le chat comme quoi les fautes commises contre Crivelli et Tsunemoto, les joueurs tchèques ne toucheraient pas le ballon. Alors je ne me rappelle plus exactement des fautes malheureusement, mais je pense que les Tchèques viennent fort au duel. Comme les Servetiens, mais les Servetiens prennent des jaunes. Donc, c'est récupéré par les Lediba. Et attention, ça va revenir avec peut-être un nouveau centre là pour les Tchèques. C'est le cas. C'était pour Churi. Finalement, ça va être remis dans la boîte. Duel entre Manier et Churi. Et finalement, c'est récupéré par Frick. On voit un appel de Crivelli là. Et c'est pas mal fait là pour l'attaquant français. S'il parvient à contrôler ce ballon, ça peut être intéressant. Crivelli face à deux joueurs tchèques. Crivelli qui se met dans le sens du but. Dans l'autre côté ça, mais ça aurait pu profiter à Jérémy Guimeno. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Non, il n'y a rien. Et l'arbitre donne une faute à nouveau. C'est un duel, monsieur l'arbitre. Le foot est composé de contacts, je suis désolé. C'est totalement fou. Et René Vallard n'en revient pas non plus. Hein. Certes, c'était un contact fugueux, mais c'est quand même un contact joueur contre joueur. Là, ça reste dans le jeu. Les Tchèques qui essayent d'influencer l'arbitre en disant que Guimeno a laissé traîner le pied. Ouais. Première mi-temps assez, assez insipide. Non, c'est compliqué. En tous les cas, il me semble qu'on a, si tu me permets, on n'a pas de tir cadré. Non, toujours pas le cas, hein, visiblement. De tir cadré. Selon les stats, c'est bien maigre cette première mi-temps de ce huitième de finale. Premier quart, on va dire. Premier quart. Premier quart de huitième de finale, oui. Pas encore en quart de finale, non. Exactement, pas encore. Alors que, ouais. La mi-temps qui va gentiment toucher à sa fin et sur ce dégagement de Jedlička, je sais pas qu'est-ce qu'on peut retenir de cette deuxième mi-temps, un match partagé où les occasions peinent à se montrer, où Servette a certaines failles Pilsen a certaines failles que Servette peut exploiter, comme de l'autre côté également Pilsen qui arrive à se montrer dangereux. On va éviter de parler de l'arbitrage hein. On l'a assez dit, je pense, cette mi-temps où ils prennent des cartons jaunes sans vraiment grande raison. Non, mais pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas eu de scandale dans le sens où on n'a pas pris un pénalty qu'on n'aurait pas dû prendre. Un carton absolument scandaleux. Il y a eu 2-3 cartons discutables, mais c'est tout et pas grand chose à retenir de cette première mi-temps, comme tu l'as dit. Un match, on va dire, quand même qui s'est équilibré au fil de la première période, mais au niveau possession. Mais au niveau des occasions, c'est toujours pas ça. On attend les Servetiens d'ici 15 minutes. Et on vous retrouve, vous également, d'ici une petite quinzaine de minutes pour cette deuxième mi-temps. Allez, à tout à l'heure.
On est de retour pour cette deuxième mi-temps. On espère voir un petit peu plus de, comment dire, de mouvement, d'action, de tir cadré déjà. On espère en voir un au moins de tir cadré dans cette mi-temps. En tout cas, on a des changements. Il y a du mouvement sur le banc, effectivement. C'est Stevanovic qui remplace Jérémy Guimeneau. Waouh! Stevanovic qui va évoluer en tant que deuxième attaquant, donc aux côtés de Enzo Crivelli, à voir comment tout ça va s'articuler. C'est intéressant. Teza qui a peut-être monté effectivement. Possible avec Crivelli et. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais on sait comment Weiler aime que ses joueurs permutent. Donc. À observer, et les Tchèques qui ont donné le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. C'est parti pour les 45 dernières minutes de cette premier match de cette double confrontation entre le Victoria Pilsen et le Servette FC. Ouais, à noter une première faute commise déjà. Par le Servette déjà. J'espère pas qu'on reprenne sur le même rythme. On va dire, pour parler de l'arbitre et de ses cartons jaunes, on espère qu'on va pas reprendre sur le même rythme que la première mi-temps. Et donc là, un premier coup franc. Et la possibilité d'être dangereux dès les premières secondes de cette deuxième mi-temps pour les joueurs tchèques. Alors attention, on va surveiller ce coup franc qui sera botté par Kalvach. Et qui sera, on verra, peut-être une combinaison avec Mosquera. En tout cas, les deux joueurs sont autour du ballon. On hésite, alors que là on hésite longtemps. Mais c'est finalement Kalvach qui met au deuxième poteau. Et c'est bien joué, première tête de Stevanovic. Attention, ça revient au deuxième poteau. C'était dangereux pour Vidra, mais c'est bien senti. Et le dégagement de Bola sur Vidra sera une touche servettienne. Effectivement, j'ai vraiment eu peur sur ce deuxième ballon remis pour Vidra, mais heureusement ça a été bien défendu par les servettiens finalement. C'est dégagé là par Tsunemoto sur Stevanovic qui se fait limite une passe à lui-même. Mais finalement, c'est bien joué de la part des Tchèques qui vont pouvoir se dégager. C'est fait de la part de Jedlička directement sur Chouri qui met en déviation, mais c'est récupéré par Séverin, pas pour longtemps, ça va revenir avec Tchervetch il me semble. C'est finalement revenu pour Mosquera, mais c'est dégagé par Bola sur Stevanovic. C'est bien combiné là avec Crivelli. Stevanovic qui va contrôler ce ballon, qui va finalement la remettre directement pour Crivelli. Et personne pour reprendre ce ballon, ça passe devant tout le monde, c'est dommage. Mais on voit devant Crivelli, écoutez ça. L'impact immédiat de Stevanovic, j'ai son entrée dès les premières minutes là, vraiment des ballons et des propositions directement en attaque, et ce centre était très dangereux. Et malheureusement, ni Crivelli ni Kuteza se sont jetés sur ce centre. Mais on voit que déjà un premier changement et un premier coaching de la part de René Weiler vont tenter de faire la différence, et on espère que ça va fonctionner. Alors que là, le dégagement de Jedlička est directement pour les Tchèques, mais les deuxièmes ballons, c'est bien récupéré par Tsunemoto. Le tacle de Bola, c'était attention, mais ouais. Pas convaincu de ce tacle hein, quand même, là il y a vraiment une faute. Il y a un petit crampon là qui a peut-être. Comment dire. Non, l'arbitre qui va quand même donner un carton jaune, c'est hallucinant. Alors il y avait faute, mais pas au point de mettre un carton jaune quand même. J'ai quand même l'impression qu'au début, il hésitait à la donner la faute en plus. Mais bon, c'est vrai qu'il est monté assez haut avec son pied, soit. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que le joueur tchèque, certes, le crampon était assez haut au niveau du genou, mais le joueur tchèque a fait une dernière passe et 2-3 pas avant de tomber au sol. Donc c'est ce qui a peut-être porté à confusion, mais au final, c'est quand même un carton jaune pour Bola, alors que le jeu a repris sur le côté droit avec les Tchèques, qui tente de rentrer avec l'intérieur, avec Chori pour Vidra, qui combine bien son côté. Finalement, ce ballon est dévié par Malien en touche pour les Tchèques. Et les Tchèques qui reprennent leur attaque sans vraiment se montrer dangereux, mais qui reprennent leur possession dans le camp servettien. Retour à Vidra, pardon. Et c'est dégagé par Ondoa directement sur Crivelli. C'est bien joué, mais finalement, les Tchèques qui vont pouvoir revenir jusqu'à leur gardien. Jedlička, pardon. Et il va pouvoir jouer avec son défenseur central, Jemelka. Retour à son gardien. Ballon est difficile à. Non, finalement, c'est tranquillement dégagé par le gardien tchèque. Et Magnin qui a pu se débarrasser de son adversaire de manière licite. Il obtiendra donc la touche. Ouais.
la touche qui serait effectuée par Malia. Notez que les joueurs servettiens sont en train de s'échauffer alors que là Koutezar qui s'en sort bien sur le côté, c'est bien récupéré par Malien au duel. Malien Koutezar qui combine extrêmement bien. Koutezar qui est dans la position préférentielle à l'entrée mais qui va finalement perdre le ballon. Et le joueur tchèque qui a réussi à se dégager mais c'est récupéré par Rouillet. Attention à la pression mise par Chori à ne pas perdre ce ballon. Tsunemoto, attention, et là une grosse poussette dans le dos alors que ça, ça aurait été un jaune hein, pour Servette, pour un joueur servettien, mais là une grosse poussette dans le dos vraiment de la part de Bousquera qui est encore qui se plaint alors que c'est lui qui est venu faire une poussette dans le dos sur Tsunemoto. C'est vraiment scandaleux. Et moi c'est difficile à comprendre hein. Alors que si on peut parler des servettiens qui s'échauffent, on a quelque sorte l'artillerie lourde, une partie de l'artillerie lourde avec Konya, Mazikou, Antunes et également Baron et Ouattara pour amener encore plus de vitesse et de folie à ce jeu servettien qui en a manqué cruellement dans cette première mi-temps. Mais Stevanović est déjà en train d'en amener un petit peu de par son pied droit magique. En tout cas, on peut pas parler pour l'instant de coaching gagnant, mais de coaching remuant. Ouais, et j'espère que ça ne va pas tarder à se transformer en un coaching gagnant. Alors que là, Ondua qui a tenté de dégager la tête de Bola qui est directement sur un tchèque. Le deuxième ballon qui est récupéré par les tchèques avec le numéro 22, Kadou, qui tente de monter. Le ballon dans l'axe, on revient derrière sur le numéro 6, Terf. Et Stevanović qui a dégagé derrière son manien. Manien qui va tenter de trouver des solutions. Séverin, le long dégagement directement sur l'épaule tchèque. On a signalé une faute de la part de l'arbitre un petit peu à retardement. Alors j'ai du mal voir. Je suivais la balle et pas les yeux de l'arbitre. Ouais, si on voyait pas, on revenait pas à l'action, au point de départ du ballon, on n'aurait pas vu la faute. Finalement, ça va être dégagé par Jérémy Frick directement sur Crivelli. Crivelli qui a pu toucher ce ballon, c'est pour Stevanović qui le touche à son tour et revient sur Lelidiba avec Ondua. Rouillé maintenant, rouillé avec Tsunemoto sur le côté droit devant les bancs des remplaçants. Et on va écarter sur le côté gauche avec Frick et maintenant Séverin. Séverin qui va chercher un long ballon. C'est le cas là, une longue transversale pour Crivelli. Il a perdu son duel mais le ballon peut parvenir à Stevanović, c'est intéressant. Stevanović avec Tsunemoto. Tsunemoto qui combine avec Bola, ça triangule. Retour au japonais. Tsunemoto. Ah, le ballon était mal transmis pour Stevanović, mais on va quand même obtenir la touche. On continue avec Bola, c'est bien combiné. Tiens, le tir. Oh là là. Ça passe vraiment pas loin et c'est peut-être la plus grosse occasion de ce match. Quel tir puissant. Allez, Servette. Et terrible qui fuit de peu le cadre de la part de Stevanović. Et première grosse occasion quand même à noter à la 53e minute de jeu pour les Servettiens. On va voir ce ralenti, mais là vraiment une occasion magnifiquement bien jouée. Dégagement du gardien tchèque. Et ça a été touché visiblement par les tchèques, donc la touche sera effectivement oui servettienne. Alors que là il y a une mésentente entre le ramasseur de balles et ramasseur de balles, pardon, j'ai eu un blanc. Alors que là ouais, la reprise de volée de Stevanović qui frôle vraiment, c'était bien le cadre, tenté hein. C'était vraiment bien tenté. On sait que Stevanović est capable de nous les mettre, on espère que ça va rentrer, mais c'est du bon à prendre pour Servette pour continuer dans cette rencontre. Il y aura une touche. Il y a du mieux. Il y a du mieux avec notamment, comme on l'a dit, ce changement. Servette qui vient avec des intentions dans cette deuxième mi-temps, qui tente de faire bouger les choses et de venir chercher un résultat ici à la maison avant son déplacement la semaine prochaine du côté de Pilsen à environ une heure de Prague. Notez que Pilsen est la ville où a été inventée la bière Pilsner. Avec. Peut-être une faute, non, finalement ça. Le jeu peut continuer. Avec Tsunemoto qui va peut-être chercher dans l'axe. Tsunemoto qui rentre dans la surface, le tir est contré. Ça va revenir sur Tsunemoto. Tsunemoto qui remet sur Bola. Bola le tire et c'est dévié en corner par un tchèque. Et la pression est mise par les Servettiens dans cette deuxième mi-temps. Et c'est pas pour nous déplaire. C'est avec Bola qui va continuer à tirer les coups de pied arrêtés malgré l'entrée de Stevanović. C'est lui désormais le seul tireur de coup de pied arrêté. Bendegus Bola, le Hongrois, avec son pied droit, ça
ça va être sortant. C'est parti pour Bola. C'est au premier poteau. Ouais. C'est dévié. Ouais. Ça revient. La frappe manquait de puissance. Elle est un petit peu trop écrasée de la part de Stevanovic, malheureusement. Ouais. Premier et premier tir carré. Juste. On va noter. C'est juste, mais un petit peu trop molle. Ouais. Frappe trop molle, pardon, pour inquiéter le gardien tchèque. Ouais, mais c'est du bon à prendre. On s'en servait là qui vraiment peut venir faire bouger les choses avec l'entrée de Stevanovic qui, pour l'instant, est énorme. Hein. L'impact qu'il amène, on le savait déjà, mais ça se prouve encore une fois sur le terrain. Alors que la Bola, la passe est complètement manquée. Et c'est directement récupéré par les tchèques. Edouet qui va essayer de trouver des solutions, qui met un ballon pour Chori. Chori qui revient au centre avec Kalvak. Qui revient sur Doué, qui revient directement sur Yedlika. Il va essayer de trouver des solutions. Yedlika qui va peut-être tenter de jouer long. Il prend son temps. Yedlika, ouais, finalement ce sera long. Directement Théo Manier en haut de duel. Encore un gros mais duel. Là il n'y a pas de faute. Mais là il n'y a rien apparemment. Manier qui se fait projeter au sol. C'est vrai. Mais c'est bien joué pour s'en sortir là face à l'attaquant tchèque. Et Leliba qui va essayer de. La longue transversale sur Kuteza, il y a quelque chose à faire, la vitesse de Kuteza. Ah c'était bien joué Kuteza. Et le tacle de dernière recours de la part de Doué à, dans la surface. Limite. C'était licite. Hein, mais limite. Limite ce tacle. Kuteza qui a bien c'est moins réclamé que les supporters, mais ce sera pour l'instant un corner qui était désigné par l'arbitre. Ouais mais le ralenti peut pas aller plus vite malheureusement. On va essayer de revoir ça pour juger de nous-mêmes s'il y avait vraiment matière à siffler pénalty. Alors qu'on va se concentrer sur ce corner tiré par Servette. L'arbitre n'a rien dit. La VAR n'a pas bronché. Donc on va se concentrer sur ce corner. Ben Negus Bola pour ce deuxième corner de cette deuxième mi-temps. On voit du mouvement dans la surface. C'est parti Bola. Et c'est au premier poteau à rater. C'est mal tiré malheureusement. Et ça va revenir. Ouais. Ça va revenir. Bah, est-ce qu'il y avait vraiment faute dans le magnifique tacle qui touche le ballon. Magnifique tacle de la part de Doué qui vraiment a sauvé la mise de son équipe sur cette action. Au contraire de cette action là qu'on n'a pas du coup vraiment vu, mais visiblement un coup franc pour les Servettiens. Alors qu'il y a également un changement du côté des Tchèques qui se préparent. Mais pour l'instant on aura d'abord le coup franc. Un coup franc relativement bien placé en tout cas pour mettre un bon ballon et amener le danger. Ça peut être vraiment intéressant avec toujours Bola. Ouais. Bola sur les coups de pied arrêtés. Qui va essayer de trouver la tête d'un Servettien qui est bien monté. C'est bien tiré, mais il a tenté directement. Deuxième frappe cadrée. Et c'est directement dans les gants de Yedlika. Alors je ne sais pas si c'était la bonne solution. On ne le saura probablement pas. Mais il a tenté de contourner le mur et d'entourlouper la défense tchèque, on va dire. Et ça va revenir là. Mi-terrain, il y a des gros duels. Manier notamment, finalement c'est récupéré par Chori. Et attention là, bon ballon pour Mosquera qui heureusement n'a pas pu dévier. C'est bien récupéré par Tsunemoto et dans un deuxième temps Diba. Et ça peut relancer une attaque avec Kuteza qui s'il voit sur la gauche Bola, ça pourrait être intéressant. Mais l'arbitre qui ne va pas revenir à une potentielle première faute, c'est. Ouais, dommage là. Et attention, gros duel entre Rouillet et Mosquera. Mais Mosquera on voit directement ce ballon en touche, heureusement pour les Servettiens. Mais cette contre-attaque qui aurait pu donner mieux si Kuteza n'avait pas perdu le contrôle de ce ballon. Et on aura donc le premier changement de la partie. Ouais, la sortie de Vidra qui a fait plutôt une bonne rencontre avec Chori. Mais les attaquants tchèques qui se sont pas mis trop en valeur dans ce match. Et il sera remplacé par le numéro 7, Yann Sikora. Également un attaquant de 30 ans. Tchèque qui a marqué un but cette saison et un assist. Et on va se concentrer sur le jeu. On verra si ça peut amener. Peut-être de la vitesse ou des nouvelles solutions pour les Tchèques. Avec une touche pour le Victoria Pilsen. C'est tout de suite pour Mosquera. Ouais, et là, une grosse faute sur Tsunemoto. Ouais. Et une nouvelle faute de Mosquera, mais toujours carton, pas de carton. Là, j'aurais plutôt mis un carton pour, entre guillemets, accumulation, vu que c'est quand même sa deuxième en peut-être moins de 10 minutes. Ouais, également sur Tsunemoto. Pas mal de mauvais coups, alors que le ballon, il revient derrière. Directement sur Jérémy Frick, le capitaine du soir, alors qu'il y avait une grosse pression qui par Chori et là qui a obligé Jérémy Frick à dégager immédiatement en touche. Dégagement manqué de Jérémy Frick effectivement. Et donc touche pour Yemelka. Yemelka directement sur son capitaine qui
qui remet pour Mosquera. Nouveau duel, gros duel, ouais, entre Tsunemoto et Mosquera. Finalement, c'est dégagé sur Stevanovic. Et ça aurait pu être intéressant là en remise. La combinaison entre Crivelli et Stevanovic, c'était dommage. Mais on sent les Tchèques qui viennent au duel. On l'a vu déjà tout le long de la première mi-temps. Le seul problème, c'est l'arbitre. S'il serait correct des deux côtés, Servette a de quoi répondre au niveau des duels. Alors que là, il y a une nouvelle fois une faute de la part de Leliba. Il tombe tout seul là. Qui est assez incompréhensible. Les Tchèques, il tombe tout seul. Qui aime bien, j'ai pas, malheureusement, je n'ai pas parfaitement vu. Mais Cherf tombe tout seul. Si on revoit le. Ça va prendre un peu de temps. Hein. Ouais. Minutes de décalage, nous vivons dans le. En tout cas, c'est, joué là, rapidement, c'est vite joué. Hein. Mosquera qui a bien combiné avec Adou, mais son centre est directement sur Bola et ce sera une touche à côté du poteau de corner pour les Tchèques. Ouais, je reste sur cette faute qui est vraiment. Mais il est à 2 mètres de lui. Il tombe vraiment tout seul. Il n'y a rien du tout. Strictement rien. Peut-être une main qui traîne, mais vraiment, c'est très léger. Et l'arbitre qui ne semble pas avoir compris qu'on aura un match physique. Alors que là, la touche est très mal jouée directement sur Tsunemoto. Ils se sont mal compris, les attaquants tchèques. Et là, le dégagement est encore plus manqué de la part de Calvache. Alors que là, le rouillé qui vient en tant que capitaine habituel, qui n'est pas ce soir, mais qui vient en tant que roc de la défense, dégagé avec de la rage ce ballon. Et ce sera une nouvelle fois une touche pour les Tchèques qui se montrent un peu plus menaçants en cette 60e minute. Alors que là, il va prendre son temps pour faire son habituelle touche longue. Elle n'avait rien donné en première mi-temps. On espère que. Enfin, je pense pas que ça a donné grand-chose. Alors, attention quand même au mètre 99 de Chori. Mais finalement, c'est bien dégagé par Randoua. Mais Crivelli qui avait hésité à y aller, mais c'est complètement dévissé. Ouais, voyant la trajectoire de ce ballon, évidemment qu'il n'y est pas allé. Ouais, non, ouais. Ça filait directement en touche. Celle-ci est rapidement jouée pour Jedlicka. J'ai vraiment de la peine avec ce gardien, avec son nom. Et Ondou, là, qui peut remettre directement pour Stevanovic. Stevanovic qui est en duel là face à deux défenseurs et le gardien, mais malheureusement il était bien repris. Et ça va revenir avec Séverin qui s'est un petit peu manqué là face à Chouri. Mais heureusement, Chouri est plus grand que rapide. Et Séverin qui s'en défait assez facilement. Et ça peut permettre aux Servettiens de se relancer. C'est bien joué de la part de Lelidiba qui a géré la pression magnifiquement bien. Et c'est reparti avec Ondoua pour Bola. Bola qui peut jouer avec Tsunemoto. Tsunemoto pour Ondoua sur le côté droit. Il est déporté, le Camerounais. Il va tenter un centre. Et c'était bien tenté, ouais, mais c'est un petit peu trop centré sur le gardien, malheureusement, alors qu'il y avait Kuteza au deuxième poteau. C'est dommage. Ouais, centre tir manqué, mais ouais, on sent de nouveau Servette qui continue de porter. On sent le public qui ressent ça et qui s'impatiente, mais qui ressent quand même les multiples occasions de Servette. Et là, il faudrait essayer de cadrer une frappe un peu plus puissante et un peu plus dangereuse. Mais là, c'est bien devancé par Tsunemoto directement sur Magnin. Magnin qui va porter cette attaque, mais finalement, il va se raviser en posant le jeu avec Rouillé. Pour Tsunemoto. Tsunemoto qui va déborder avec Bola. Bola en appui sur Stevanovic. Retour à Ondoua. Rouillé maintenant. Séverin dans le rond central. Séverin qui avance, balle au pied. Et qui a vu l'appel de Kuteza. Ouais. Et c'est astucieusement bien joué de la part de Magnin qui a laissé passer. C'est Kuteza là qui peut rentrer à la surface. Retour à Magnin. Magnin pour une frappe. Et c'est dégagé malheureusement. Enfin, c'est contré par un tchèque et ça peut repartir avec Chouri. À noter, c'est Doué qui s'est jeté sur cette frappe de Magnin, qui est bien combiné. Hein. Magnin qui a fait de toucher ce ballon et qui finalement l'a laissé en profondeur pour Kuteza. Et finalement, la combinaison sur le côté gauche était extrêmement bien jouée. Mais Doué qui fait vraiment une rencontre excellente. Alors qu'on en voit un joueur tchèque qui a l'air de se plaindre au niveau du talon d'Achille ou du mollet. Mais ça a l'air d'aller, il boite un peu, mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être Chouri à nouveau. Ouais, Doué qui vraiment fait un match excellent dans sa défense entre les duels avec Crivelli et pas toujours correct, mais qui est présent physiquement et qui se jette sur les ballons alors qu'il y aura un changement. Là, le côté servettien avec la rentrée d'Alexis Antounès visiblement et de Timothée Cogna. Ouais, là on va faire rentrer les atouts majeurs hein, de cette équipe. Ah, j'espère pour eux que les Tchèques sont prévenus. Ouais, j'espère pour eux, ouais. Nous, j'espère que l'effet de surprise fera son effet et permettra à Servette de venir chercher la victoire ici à la maison pour continuer sur sa bonne dynamique du moment.
avec le dégagement du gardien tchèque directement sur Chori qui d'un coup va mieux. Et c'est bien joué de la part de Magnin qui a pris le contre de Kopić et il va obtenir et la touche. Le changement qui sera effectué avec la sortie d'un côté de Kuteza qui a fait un bon match mais qui est resté assez discret, hein, qui a tenté quelques frappes mais plutôt discret. Et la sortie de Lady Diba, assez logique comme sortie, qui a fait un bon match mais on sent quand même que c'est assez limité malgré qu'il veut faire du bien, il veut bien jouer et il est assez bien passé. Mais Konya qui va vraiment apporter tout l'impact qu'on lui connaît. Et une nouvelle fois, j'ai un petit peu envie de dire que Kuteza rentre dans sa. Continue à rentrer dans sa mauvaise période un petit peu. On le voit un petit peu moins, il est un petit peu moins percutant. Les dribbles qui passent un petit peu moins que d'habitude. Et ça, ça dure depuis maintenant de 3 ou 4 matchs quand même. Sans vouloir lui taper dessus. Hein, mais, Depuis que Moratiaki n'est venu le voir. Ouais, c'est vrai que ça stade. Lui a peut-être un peu mis la pression, je sais pas. Je pense pas que c'est ça, mais c'est vrai que ça coïncide, mais bon. On va espérer qu'il se remette dans le droit chemin, pourquoi pas pour l'Euro. Pour le derby déjà face à Lausanne, on a besoin de lui également à Servette avant qu'il puisse peut-être briller avec la Suisse à l'Euro, mais ça c'est d'ici quelques mois. Du futur, ouais. On va se concentrer sur le match d'aujourd'hui et le match de dimanche face à Lausanne. Séverin ne s'est pas vraiment concentré hein, sur son coup franc là qui est totalement manqué, directement mis en touche, c'est dommage. Alors qu'on là, on commence à avoir une équipe qui ressemble à 11 types. Hein. Pardon ? On commence à avoir une équipe à 11 qui ressemble à l'équipe A, avec la plupart des atouts sur le terrain. Oui. On va essayer d'aller chercher la différence dans ces 25 dernières minutes. Il y a de la place, à mon avis, pour aller en chercher un ou deux. Mais il faudra se montrer plus à droite devant le but et cadrer plus et plus dangereusement. Avec une touche pour Magnin. Magnin là ça a été dévié par Antunes pour son premier ballon. Retour à Séverin, mais c'est une nouvelle touche pour les Tchèques à mi-terrain. Qui va être effectué par Kopić. Kopić qui cherche un partenaire. On a l'impression que les Tchèques se contenteraient bien de ce résultat. Ouais, la manière dont il joue depuis quelques minutes là. Mais le ballon est perdu là à mi-terrain et il y a Crivelli qui peut en profiter. Non, il y a une faute. Konya qui pour son premier ballon vient faire une faute et qui va la mettre, mais faut pas trop se plaindre, il est menacé hein, Konya. Ouais, j'ai cru qu'il allait prendre son carton jaune d'ailleurs. Ouais, j'ai eu peur hein. J'ai vraiment eu peur comme toi. Et donc un coup franc dans le rond central pour les Tchèques. C'est dommage parce qu'il y a deux joueurs servétiens, Antunes et Crivelli, qui partaient à l'offensive et il n'y avait plus beaucoup de défenseurs. Alors que là, la tête de Kadou qui est directement en touche pour Tsunemoto. Tsunemoto avec Crivelli. Crivelli bien sermonné par son défenseur. La touche est servétienne. À nouveau, on a gagné une dizaine de mètres. Tsunemoto à nouveau sur Crivelli. Et cette fois-ci, une nouvelle faute pour les Tchèques. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'arbitre, je sais pas s'il a de la famille tchèque ou quoi, mais là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Crivelli qui était aux prises avec deux joueurs, qui s'est fait monter dessus par le défenseur, et au final, il y a un joueur tchèque qui tombe devant lui, et l'arbitre qui siffle la faute. Ouais. Et voilà, ça commence à être douteux un peu. J'espère que l'arbitre sera plus correct au match. Ça commence en tout cas à être un petit peu lourd, on va dire. Ce joueur tchèque est à nouveau à terre. Et le temps défile également, comme je l'ai dit, hein, depuis quelques minutes. J'ai vraiment l'impression que les Tchèques se contentent très bien de ce 0-0. Et ouais, c'est toujours à terre, hein, le joueur, toujours sur le terrain. Alors qu'on peut voir au niveau des statistiques que Servette commence à prendre les devants hein, avec la possession qui est à peu près à égalité 47-53 en faveur de Pilsen, mais au niveau des tirs, Servette qui est passé largement devant avec 7 tirs à 2 et donc deux frappes cadrées, certes pas très dangereuses, mais deux frappes cadrées. Mais ça reste tout de même assez pauvre. Hein. Alors que là, on s'inquiète hein, de l'état de santé du défenseur de Pilsen. Ouais, c'est vraiment long, c'est vraiment très très long et c'est assez incompréhensible que
que l'arbitre ne fasse pas sortir plus rapidement le joueur pour ce qu'il se fasse soigner. Ça devrait aller visiblement. Pendant ce temps mort, on peut peut-être... Alors que ça va, ça semble jouer. Le temps mort qui était assez bon, long, mais finalement... On va jouer le joueur qui est sorti sur la touche et qui va permettre au jeu de continuer. Donc les checks qui seront donc à 10 contre 11 durant quelques secondes, le temps que le joueur blessé refasse. Il me semble que c'est le numéro 22, Kadou, retourne sur le terrain auprès de ses coéquipiers. Mais là... Le coup franc qui prend également de temps et qui commence à agacer les supporters servettiens. C'est long. Ouais. Mais c'est finalement enfin joué avec Rouillet là, qui a pu récupérer et qui peut balancer sur Bola. Stevanovic maintenant. Et Bola là qui peut peut-être lancer Konya. Ah, okay. C'est donné dans les pieds malheureusement, que peut-être Konya l'attendait dans la profondeur. Finalement, ce ballon est gardé. Et c'est oui, il est gardé. La touche est pour les Grenats avec Stevanovic, mais ça va être compliqué là. Le défenseur qui use bien de ses bras, mais finalement le ballon est pas sorti. Et ouais, finalement qui se fait avoir un petit peu à son propre jeu, le défenseur tchèque. Ça va revenir sur Tsunemoto qui pourrait peut-être écarter sur la gauche. Non, il va jouer dans l'axe avec Antunes. La première touche est mauvaise, mais Antunes peut garder le ballon. Il peut transmettre à Stevanovic qui peut remettre peut-être derrière lui. Oui, pour Konya, le centre en première intention. Finalement, c'est dégagé jusqu'à Steve Rouillet. Le centre à terre qui n'a trouvé qu'un check pour le dégager. Mais Bola qui continue, qui a de l'espace dans le côté droit, qui va tenter un centre, mais c'est complètement manqué. Et c'est directement à 15-20 mètres début de Yedlika, pardon. Et finalement qui va pouvoir effectuer un dégagement pour les 20 minutes qui restent à jouer. Le temps qui effectivement défile les Servettes qui, malgré le nombre de tirs qui continue d'augmenter, n'arrive pas à se créer de véritables situations dangereuses. Ah là, le jeu est quand même haché depuis, ouais, depuis au moins 10 minutes. On a dû jouer peut-être pas plus de 3 minutes de temps effectif. Hein. Ouais. Pourtant, on connaît évidemment le temps additionnel qui s'ajoutera à cette rencontre. Probablement pas plus de 3 à 4 minutes. Ouais. Avec Bola, là, ça a été rapidement joué et c'est plutôt pas mal. Les joueurs tchèques n'étaient pas vraiment en place. Bola qui peut transmettre un bon ballon, mais finalement, entre tous les Servettiens, et il est pour personne. Et c'est dégagé par Jedlika sur Chouri, mais Chouri est trop loin. C'est pour Rouillet, tranquillement, sur Tsunemoto. Et on sent les Pilsenois, il me semble qu'on peut dire ça, qui sont un petit peu plus bas sur le terrain. Et ça profite au Servettien qui garde la position de ce ballon. Ondoua qui va enfin écarter sur Magnin qui attend probablement un ballon depuis 15 minutes. Hein. On espère qu'il est toujours chaud. Théo Magnin, ballon pour Antunes qui s'appuie sur Séverin. Séverin qui va écarter peut-être sur la droite avec Rouillet. Il y a un appel de Crivelli au deuxième poteau. C'est fait. Rouillet pour Crivelli, il faut qu'il y croit, mais ça a été coupé. Frappe cadré. Par Doua effectivement qui l'a remis sur son gardien. Ils sont tous contentés de ça, non mais plus sérieusement les Tchèques qui vont essayer de se relancer, mais c'est. Il n'y a plus grand chose hein, du niveau tchèque. Effectivement c'est les Pilsenois. Ouais ouais, il me semblait bien que c'était juste, mais on les appelle tout le temps les Tchèques, donc il faudrait bien changer un moment. Et là le ballon était bien gardé par Kalvac. Et il y aura donc une faute. Là, elle paraît quand même peut-être un peu plus logique que d'habitude, on va dire. Et un nouveau changement pour les Pilsenois avec la sortie du numéro 18 Mosquera et l'entrée du numéro 9, il me semble. Yann Clement. Yann Clement. C'est un des nouvelles... Pardon, je cherche mes joueurs. C'est un nouveau changement offensif, hein. Il a peut-être essayé de ramener de la fraîcheur à l'attaque tchèque, Pilsenois si vous voulez, le joueur de 30 ans. A noter que cette équipe tchèque est assez vieille, hein, moyenne d'âge de 29 ans. Avec un ballon là sur le côté gauche pour Kadou pour le nouvel entrant Clement, mais c'est bien joué de la part de Rouillet qui a pu récupérer ce ballon. Stevanovic qui tente un peu un ballon au hasard. Et finalement, c'est une touche pour les Servettiens et pour Keigo Tsunemoto. Tsunemoto qui veut jouer de l'avant
directement sur Stevanovic. C'est dévié pour Crivelli. S'il garde le contrôle de ce ballon, ça peut être intéressant, mais il a été repris par par Hanak. Et c'est dégagé par, par le gardien tchèque. Directement là sur Kalvak. Kalvak face à on doit attention. Tire. Finalement. En centre de Kalvak, attention, mais c'est Séverin qui est vigilant. Et la tête, Stevanovic qui combat avec Kondoua, mais malheureusement son tentative de transversal, alors que là Konya, c'était limite hein, sur. Ouais, là il y a peut-être faute quand même. Hein. C'était pas Climent, c'était Serf. Il est en retard. Il a clairement pas touché le ballon et là, je dirais que la faute était nécessaire au vu de la passe qui était un petit peu mauvaise. Et attention à ce coup franc tchèque qui va peut-être permettre d'avoir une première occasion de la part des de Pilsen dans cette deuxième mi-temps. Ouais. Attention, coup franc dangereux. Ouais, les tchèques qui se contentent plus de quelques coups francs par-ci par-là. On essaie de porter le danger, même si pas qu'ils y croient plus vraiment, mais qu'ils vont essayer de. Ils vont garder ce 0 ici, 0-0 ici à la Prague pour que tout se joue du côté de Pilsen et ils savent qu'ils auront l'avantage à la Dusan Arena alors que là le coup franc est joué directement au deuxième poteau mais c'est bien couvert par Stevanovic et ce sera un corner pour les Tchèques malheureusement. Chori qui est toujours sur le terrain hein, et c'est son mètre 99. Il va falloir se méfier, hein. On se souvient, je ne vais pas te rappeler de mauvais souvenirs mais d'un certain Aroko Daré qui était également bien grand, qui avait mis un but sur corner. Évidemment, on ne le souhaite pas. Et le corner qui va être tiré par Kalvak, il me semble. Et c'est justement pour Chori. Mais finalement, ça passe devant tout le monde. Et là, Magnan qui peut relancer les affaires servétiennes. Qui, effectivement, on va voir Konya. Konya qui va rejouer peut-être avec. Non, c'est bien joué sur Bola. Mais il y a hors jeu, visiblement. Fallait jouer juste. Et ça n'a pas été le cas. Les solutions qui se sont refermées rapidement. La défense tchèque qui est bien revenue et qui va finalement jouer hors jeu. Alors que là, on a l'annonce de l'affluence pour ce match d'Europe. Vous avez peut-être entendu, il y a 15 354 supporters ici à la Praille. Sachant qu'il y a un match au Vernet en même temps. Avec le Fric qui va dégager rapidement. Ça reste tout à fait correct comme affluence. Avec Konya qui relance l'attaque servétienne. Konya pas loin des 16 mètres pour Bola. Konya retour à Bola qui n'attendait pas ouais, ce ballon il me semble là. Et finalement ça va être dégagé par les Tchèques mais ça va revenir avec Théo Magnan qui se bat. Théo Magnan encore et c'est bien battu de la part du jeune servétien 20 ans on le rappelle, lui qui enchaîne les minutes, ça fait plaisir à voir pour l'académie et pour les jeunes voix. Retour à rouiller dans le rond central. On voit un appel également de Magnan justement. Finalement c'est pour Antunes qui perd ce ballon. Antunes qu'on n'a pas beaucoup vu depuis son entrée. Et là le ballon est perdu mais c'est rapidement récupéré par Rouillet sur Chori. Ça va revenir avec Konya. Konya peut-être pour Bola, cette fois-ci il est pas en jeu. Mais là il y a une faute sur Timothée Konya. Effectivement et enfin un nouveau carton jaune. Hein. Le dernier carton jaune pour les Tchèques qui date de la 35e minute sur Kadou. Et là effectivement une grosse faute d'anti-jeu. Qui va permettre à Servette d'avoir un nouveau coup franc et de potentiellement venir remettre le danger sur la cage de Jedlička avec un nouveau coup franc tiré par Bendegus Bola. Effectivement, et je me rends compte qu'on a quand même trois cartons jaunes, mais pour l'instant, aucun des menacés de suspension n'en a pris. Donc heureusement, espérons que ça continue comme ça pour ne pas avoir à se priver d'un joueur... ou d'un autre. Au match retour, le coup franc a été joué par Bola. Finalement, c'est coupé par Chori qui était revenu défendre. Corner, bien joué. Et il me semble que c'est le troisième corner dans cette deuxième mi-temps pour les Servétiens. A noter que c'est le joueur Kopić qui a écopé du carton jaune numéro 10 pilsenois. Et le coup franc qui va être tiré par Bola et le public qui. Fait du bruit pour encourager son équipe dans les 10 dernières minutes alors que attention le corner est directement et la reprise de Konya et ce sera trop haut alors que là on sent que Baron reçoit des instructions de la part de René Weiler pour une potentielle nouvelle entrée. Ouais. Et il va faire son entrée ouais. Oui. Baron qui va aller changer pour effectuer une entrée. Peut-être venir prendre la place de Magnan qui a fait un excellent match, qui a dépensé énormément d'énergie.
Baron international guadeloupéen. Effectivement, si vous ne le saviez pas, c'est un fait assez intéressant. Avec là un ballon qui a été gagné par Konya. Et Konya qui peut relancer Bola. Le ballon qui lui parvient dans le bon tempo. Konya, Bola. Bola qui continue. Bola la frappe. Et c'est un premier arrêt de la part du gardien tchèque. Ça va revenir avec Stevanovic. Tsunemoto. On doit pas loin des 16 mètres. Bola. Il fallait lui parler là, Bola. Mais bon jaillissement de Séverin. Et ça parvient à... On doit la frappe, on doit, mais elle est beaucoup trop enlevée. Et on va revenir à la faute ou pas? Non, je pense pas. Si. Non, on demande d'attendre parce que... On a toujours un joueur à terre, mais effectivement, l'avantage a été laissé. Ouais, on va venir prendre des nouvelles de Séverin qui était resté au sol, mais tout a l'air d'aller pour le mieux. Il va reprendre sa place en défense centrale. Mais là, une nouvelle fois, Servette qui s'est projeté rapidement. Bola qui a un peu joué... c'est pas de manière égoïste, mais qui aurait pu lâcher le ballon un peu plus vite, mais sa frappe finalement a été très dangereuse et Yedika qui était vigilant. J'ai cru voir un 7 sur le panneau indiquant le changement, peut-être Bola sortant pour Baron et peut-être le comment dire Magnin qui passerait en tant que oula, j'ai un blanc, que milieu gauche on va dire. Et effectivement, c'est Bola qui sort pour Baron. Et effectivement, regarde Magnin là qui monte tout de suite d'un cran pour jouer en tant que milieu, voire ailier gauche plutôt. Et Baron qui va donc prendre son poste, on va dire qu'il a le plus connu au Servette FC, celui de latéral gauche. Le changement qui a été effectué rapidement. Defrick qui va pouvoir dégager sur ce hors-jeu. Et là, il y a une main clairement de Vidra. Ouais, effectivement, bien sifflé. C'était Chori, pardon, Vidra est sorti. C'était Chori, le joueur de 1m99, qui n'a pas été dangereux ce soir, mais aucun tchèque n'a véritablement été dangereux ce soir. Ils ont plus été solides défensivement et Servette a eu de la peine à bouger ce bloc. Mais Frick qui va retenter un nouveau long ballon pour la tête de Crivelli. C'est bien récupéré par Stevanovic qui finalement s'en sort, mais il y a eu une mésentente entre Crivelli et Stevanovic et le joueur tchèque est resté au sol et là vraiment. Ça m'aura un choc contre la tête, mais j'ai pas l'impression qu'il faut de nouveau. Ouais, c'est mais, assez. Ouais, la mésentente entre Stevanovic et Crivelli qui aurait pu mener à quelque chose de plus inquiétant pour la défense servétienne, mais pour la défense tchèque et l'attaque servétienne. Mais cette faute qui aurait été. Alors que le joueur tchèque a l'air sonné là, hein, effectivement, il est allongé de tout son long sur le sol, mais effectivement, les tchèques sont tous grands. On a de la peine à vraiment comprendre leur style de jeu. Hein. Ouais, c'est dommage. Ils semblent se plaindre du visage. Hein. Et ce sera donc d'une nouvelle fois du temps perdu par les Tchèques. Je me réjouis de voir le temps additionnel. Ouais, ils se prennent le coup de mais rien de se rouler dans tous les sens. Hein. C'est un coup de malencontreux de Crivelli. Je pense qu'on peut parier sur 4 minutes de temps additionnel, alors qu'on est potentiellement là sur les deux fautes et les deux joueurs qui sont restés à terre à au moins 5-6 minutes. Si on ajoute à ça des changements et évidemment d'autres pertes de temps, on ne rattrapera jamais ce temps perdu. Non, effectivement, mais il y aura, ouais, je pense aussi 4 minutes. Je sais pas quoi en penser, parce que c'est... Faut être plus juste, mais mettre des 12-13 minutes de temps additionnel, je vois pas vraiment. On l'a vu à la Coupe du Monde. Ouais, je vois pas vraiment. Ça veut dire que normalement, quand on arrive autour de la 90e, il commence à y avoir. C'est autour de la fin du match. Mais si on rajoute un quart d'heure, je vois pas trop le suspense. Bah, le temps est juste décompté en soi, et ce serait d'un côté juste, mais c'est oui, d'un niveau visuel, on verrait que c'est la 90e alors que au temps de jeu effectif c'est seulement la 75e. Voilà, la moitié du match. Ouais, bon, alors. Exactement. Avec Baron pour un de ses premiers ballons là qui peut porter jusqu'à Magnin côté gauche qui est quand même on va dire un petit peu amputé de joueurs offensifs. Parce que Magnin est plus défensif qu'offensif normalement, alors que là il y a une main qui a peut-être traîné dans la surface pilsenoise. En tout cas c'est ce qu'on réclame du côté des supporters servétiens et de quelques joueurs. Et là, c'est vrai, qui a affaire à Chouri. Et Chouri, attention, qui s'échappe. Mais finalement, on va signaler une faute contre Chouri, il me semble.
Non, bah mais... alors là, qu'est-ce qu'il fait ? C'est vrai qu'il essaye de faire play, de relever Choury, mais finalement qu'il se rejette par terre, c'est... Choury qui est peut-être trop lourd. Hein, En tout cas, on ne reviendra pas aux réclamations servettiennes, il n'avait vraisemblablement rien dans la surface. Avec Baron, c'est vrai maintenant. Rouillé, ouais, c'est dur de produire du jeu. Mais là, c'est bien joué. Belle transversale pour Stevanovic. Le centre au premier allez poteau. Allez, l'arrêt de, la parade, du gardien tchèque qui finalement s'est dégagé. Aïe, 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 aïe. Et la touche en plus va être pour les tchèques. Encore une nouvelle occasion dangereuse pour les Servettiens et le centre de Stevanovic. Et finalement, aïe, la parade du gardien tchèque sur ce... cette reprise. Ouais, il me semble qu'on n'a pas pu dévier ce centre, malheureusement c'est passé devant tout le monde une nouvelle fois, c'est dommage. Avec cette touche qui a été jouée, c'est récupéré par Cogna et Chandelle là dans, la, dans le rond central. Finalement c'est Ondua qui a pu récupérer ce ballon, qui peut donner à Tsunemoto qui va allonger pour Stevanovic, mais ça va être pour le défenseur tchèque et c'est, bah, c'est sorti finalement. Sorti en plus, c'est une touche pour le Victoria Pilsen. Ouais, alors que nous sommes nous avons entamé la 86e minute et ça va être qui multiplie nos occasions dangereuses, mais s'il y aurait un quart d'heure de plus qui aura peut-être trouvé la faille parce que ça se rapproche de plus en plus du but. On va essayer de se concentrer toutes ces dernières minutes avec la touche pour Tsunemoto qui joue avec Antunes. Tsunemoto de nouveau qui s'écharpe et qui est pris de nouveau par un tchèque. Et tchèque qui va tenter une dernière offensive, mais c'est bien défendu par Rouillet qui est resté très haut. Antunes s'est bien accompagné avec Cogna. Cogna qui joue avec Crivelli et là il y a eu une poussette dans le dos, mais trop peu pour monsieur l'arbitre. Et ça repart pour les tchèques avec Choury là qui s'amuse. Ouais. Et finalement c'est dégagé en touche par Tsunemoto. Ouais, l'étendue technique de Choury, je sais pas jusqu'où elle va. Effectivement, avec donc la touche qui va être effectuée par Yemelka à moins de 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Toujours 0-0 dans ce match et c'est toujours aussi compliqué. Mais là, un long ballon pour là, il y a de l'anti-jeu, c'est carton jaune. Et il n'y aura pas de faute. Certes, c'est épaule contre épaule, mais il y a aucune intention de jouer le ballon. Il y a une petite poussette. Ah, assez légère, Crivelli qui se laisse peut-être tomber, mais ça reste de l'anti-jeu parce que Crivelli partait pour essayer de contrôler ce ballon. Alors que là, les tchèques qui vont tenter une dernière offensive. C'est... avec Kliment qui avait tenté de partir en axe, alors que là, un gros dégagement de Malien qui sera pas pour Crivelli qui était en jeu, qui n'a donc pas joué le ballon, mais s'est récupéré par les tchèques avec Kadou. Attention, là, il y a pas mal d'espace là pour le numéro 7 Pilsenois, le centre. Directement, non. Attention, la reprise et finalement c'est un premier arrêt dans cette partie, un premier tir cadré pour les tchèques dans cette partie également. Premier arrêt de Rémi Frick, mais une bonne relance là de Tsunemoto avec un très très bon ballon pour Stevanovic sur le côté gauche. Stevanovic qui a l'appui de Antunes. Stevanovic qui va faire tout seul, non, il donne sur la droite. Non, c'est là Stevanovic qui frappe et c'est dévié au dernier moment pour un tchèque. Mais j'ai cru que c'était Stevanovic. Mais qui a porté ce ballon sur la gauche? Antunes. Mais non, Antunes faisait un appel dans le dos. J'ai vraiment c'est pas Baron. Compris. C'était Baron. Peut-être Baron. Il me semble que c'était Baron. Hein. Mais quelle passe de Tsunemoto pour apporter cette attaque. Ouais. Et là, c'est tout le stade là qui chante. Ça ferait exploser les 15 000 spectateurs si ce corner aboutissait. Malheureusement, c'est dégagé par les tchèques. Ça va revenir avec Tsunemoto. Tsunemoto et la touche sera pour les Servettiens. Au parlant du poteau de corner. Stevanovic qui allait partir en pleine lucarne comme son but à Dolémont, mais qui finalement a été sauvé par un salvateur d'un défenseur tchèque. Ça revient Baron. Avec Baron. Bon ballon là pour Crivelli qui a pu contrôler tranquillement, mais finalement il y a un hors-jeu qui est signalé contre l'attaquant français alors qu'on n'est pas loin de temps additionnel. Sans les actions qui s'accumulent et le danger qui vient de plus en plus près, mais malheureusement le temps risque d'être court. Mais si on pourrait venir arracher un but, ce serait tout bénéfique pour le match retour. Effectivement, jeudi prochain. Le stade de Genève qui n'a toujours pas eu l'occasion de voir un but en Conférence League. Non.
pour le moment, en quasiment 180 minutes. Après le 0-0 face à Ludogorets, on se dirige vers un nouveau 0-0. Alors qu'on n'en avait vraiment pas l'habitude avec Servette ces derniers temps. Dernier 0-0 qui remontait à début de cette saison, ou même voire fin de la saison passée. Hein. Donc bien plus de 30 matchs. Jérémy Frick qui va dégager peut-être pour une des dernières fois. Ah, et le contrôle de Stéanuc n'était pas bon malheureusement. Et ça profite à Choury, mais finalement c'est tellement bien joué de la part de Rouillet qui aura vraiment muselé l'attaquant tchèque tout au long de cette partie. Et c'est bien écarté là sur le côté gauche pour Baron qui a du champ. Baron, il a vu l'appel de Magnin et c'est bien joué. Magnin, le contrôle, ça va être rabattu et finalement c'est dégagé en touche par les Tchèques. Ou même un corner. Non. Mais non, il y aura un hors-jeu finalement. Je sais pas. J'ai pas vu le hors-jeu. Hein. Moi, il me semble. Est-ce que c'est Magnin qui, dès le début de l'action, était hors-jeu? Oui, effectivement. Visiblement, c'est le cas. C'est le ballon. Ça va être en train d'utiliser ses dernières cartouches. Là, on arrive vers la 90e minute. Il y en aura un dernier changement également côté tchèque. Alors d'abord le changement tchèque, il me semble que c'est Traoré qui va rentrer pour. Ouais, c'est la sortie de Kadou pour Ibrahim Traoré. Ah bah c'est vrai que le 22 pour le 22 c'est pas mal hein. Sur le panneau d'affichage, il me semble que j'ai vu le 22 pour le 22, mais c'est le 12 Traoré pour le 22 Kadou. Et on aura 5 minutes de temps additionnel, c'est un minimum hein. Ouais, 5 minutes ce soir. Et ça va peut-être permettre à Servette de venir porter une nouvelle fois le danger et essayer de se créer des occasions. Mais là c'est ouais, c'est les sorties du marquage de Séverin. Finalement il y avait une faute. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Choury? Prendre le ballon. Ouais, Choury il n'a pas à se plaindre. Non, alors que là, Frick qui a trop avancé son ballon, qui sera repris par l'arbitre et il est pas content, hein, Jérémy Frick. Séverin qui est censé. Frick qui est censé faire effectuer cette faute. Au niveau de la ligne. Et Ouattara qui aura le droit là, aux 5 dernières minutes de ce temps additionnel qui s'est déjà quasiment écoulé. C'est assez fou. C'est première minute européenne pour Ouattara, il me semble. Et la sortie possible, de Théo Magnin. Sortie d'un produit servettien pour un autre. Qui n'est pas content. Ouais. Il fait savoir à l'arbitre. L'arbitre a été minutieux sur ce coup-là. Et ça a fait perdre du temps précieux à Servette. Frick qui dégage. C'était pour Crivelli, il gagne son duel et c'est dégagé une nouvelle fois par Douai. Ça va revenir sur Séverin. Séverin qui va peut-être continuer avec un long ballon. Non, c'est pour Rouillet. Rouillet avec Tsunemoto. Tsunemoto avec Rouillet à nouveau dans le rond central. Rouillet qui va changer de côté. C'est pas mal fait là pour Ouattara. Maintenant le nouvel entrant pour son premier ballon. Qui retouche le ballon, faudrait le. Ouais, faut pas le laisser sortir. On revient sur Antunes. Non, c'est Konya, pardon. Konya pour Antunes, justement. Et le ballon a été perdu et dégagé. Ça va revenir. Le centre de Baron pour Crivelli. C'est dégagé d'un ciseau par Douai. Et attention là, Choury qui peut donner un bon ballon. Faut bien le négocier là de la part de Rouillet. C'est fait. C'est admirablement bien fait. Très bien joué. Et ça repart avec Baron. Anthony Baron pour Antunes qu'on a très peu vu depuis son entrée malheureusement. Antunes qui n'a pas pu beaucoup s'exprimer aux abords des 16 mètres avec Konya. Konya il n'a pas beaucoup de solutions. Il doit peut-être revenir sur Baron. Non, Konya qui fait tout seul. Il vous laisse entrer. Ah c'est compliqué hein. Ouais. C'est compliqué d'amener du danger dans cette surface. Bien protégé par les Tchèques. Mais là c'est le bon moment trouvé par Antunes. Antunes, le centre. Ça revient, on doit aller. La frappe. Et c'est par-dessus la barre. Oh là là, Ondoa qui a tenté la frappe. Mais il faut essayer d'amener une dernière fois le ballon dans la surface. Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce que tu arrives à avoir le temps additionnel? Il reste environ 2 minutes. Un peu moins de 2 minutes. Ouais. Il y aura peut-être la chance pour une dernière occasion pour les Servettiens. Mais ça va être très tendu là. Et puis évidemment, Yedlica qui va pas se faire prier pour essayer de gratter en tout cas une minute. Là, on est déjà à 30 secondes. Qui va prendre le temps de bien placer son ballon. Et d'effectuer son dégagement. Ouais, il prend son temps en tout cas. Hein. Il faudrait bien ajouter 45 secondes à ce temps additionnel. Et finalement, c'est directement sur la tête de Stevanovic. Douai qui dégage. Allez Il faut essayer de partir de l'avant. Mais un tac du numéro 9, Yann Clément.
qui est fautif. Et là, on va essayer de se projeter une dernière fois pour la dernière minute. Et on doit qui lègue ce coup franc à Rouillet, qui va rapidement le jouer avec Séverin, qui va jouer court pour Baron. Baron, pour pourquoi pas amener un dernier ballon dans la surface. Ah, c'est mal joué pour Antounès. Ça a été coupé et il y aura une faute probablement. Non, c'est la touche. C'est la touche, mais pour les Tchèques. Ah, j'ai cru que j'ai vu tous les supporters se lever, mais c'est pour se plaindre envers l'arbitre et non pas célébrer l'action de Ouattara. On a un peu de peine à voir à l'opposé du terrain. Et ben franchement, le Victoria Pilsen, c'est très 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 pauvre en termes de qualité. Mais malheureusement, j'ai peur que sur le retour, ça suffise pour eux. Alors, faut pas partir pessimiste, mais ils auront l'avantage à la maison. Alors qu'il y a peut-être un dernier centre de la part des Tchèques, mais Tsunemoto qui se bat comme un samouraï et qui va finalement obtenir la faute. Faut arrêter ce ballon avant que l'arbitre. Alors que là, tout le monde va monter. On est dans les dernières secondes. L'arbitre va-t-il laisser jouer la dernière action? Va-t-il faire comme l'arbitre entre le Real et Valence. Valence ce week-end? Allez. Rouillet qui va mettre un dernier ballon devant pour Ouattara. Est-ce peut-être le sauveur? Non, c'est directement pour les gants de Viedika. Et il me semble que c'est le dernier ballon. Ouais, Antounès qui va venir mettre un coup de pression, mais ce sera probablement la fin de cette rencontre. Tout reste à jouer au match retour. Pilsen aura évidemment l'avantage de l'extérieur, effectivement. Coup de sifflet final. Fin de ce match aller entre Servette et l'équipe tchèque de Victoria Pilsen. Tout reste à faire. Pilsen qui est prenable, à mon avis. Il n'y a pas grand-chose. Il y a juste de la taille, de la rigueur défensive, la rigueur défensive. Mais à mon avis, Servette a eu des occasions. Servette a su se montrer un peu dangereux. Je pense que En soi, les statistiques n'ont pas menti. Hein. Pilsen n'a toujours pas perdu dans cette compétition. Ça n'est toujours pas le cas. Pilsen encaisse très très peu dans cette compétition. Il n'a pas encaissé ce soir. Mais malheureusement pour les Servettiens, ça risque d'être compliqué au match retour. 0-0, un petit peu frustrant parce qu'on a vu que les Servettiens étaient quand même supérieurs, surtout en deuxième mi-temps avec les changements. Au final, on termine à 10 frappes, il me semble 3 cadrés, alors que les Pilsenois ont frappé une fois en deuxième mi-temps. Enfin, c'est vraiment très très pauvre. On a été vraiment moins mis en danger que face à Ludogorets et face au Sheriff, limite. Ouais, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à la double confrontation face au Ludogorets. C'est une première rencontre où effectivement Pilsen ne se montre pas. Servette qui a peut-être moins d'occasions et qui domine peut-être un peu moins dans le terrain, mais qui est quand même là, et au final c'est 0-0. Et est-ce qu'ils vont peut-être faire le même coup qu'à Razgrad? On ne sait pas, ça va peut-être être on espère compliqué. En tout cas il y a plus de on espère de qualité défensive, mais on espère en tout cas si ça devait être ce soir le dernier match européen de la saison du Servette FC, on pourrait dire qu'elle a été magnifique cette saison européenne. Ouais. Et faudra maintenant se concentrer sur la saison en championnat et en coupe. Ça reste de belles perspectives, de beaux objectifs, et voilà, faudra se contenter de ça et se rappeler que c'est une magnifique saison tout de même. Et voilà, maintenant on espère la qualification, mais il y aura de quoi se consoler avec le fait d'avoir moins de matchs jusqu'à la fin de saison. Ouais, on pourra se féliciter, ça va pouvoir reposer les joueurs pour continuer à se concentrer sur les coupes et les ligues domestiques. Et pour preuve, on se retrouve déjà dimanche face au Lausanne Sport pour un derby du lac. On espère qu'il y aura du monde au stade et on espère voir retrouver la victoire pour à nouveau talonner IB, voire même les dépasser avant même qu'ils ne jouent, vu qu'ils joueront le match plus tard. Ouais, on jouera à 14h15 et eux joueront face à Bâle à 16h30. Mais ça, c'est pour dimanche. On vous souhaite donc une belle fin de soirée et puis on se retrouve dimanche au stade. Allez, à dimanche. Au revoir. Au revoir.